C'est parti. Ok, alors, je vous explique ce qu'on fait. Puisque les deux qui ont une mémoire fonctionnelle ont déjà fait leur flashback, on ne peut plus faire de flashback. Donc c'est pour ça que vous ne jouez pas vos personnages, mais que vous allez jouer d'autres persos, on va choisir les noms après, qui sont des persos pré-tirés, j'ai déjà fait les fiches. Et peut-être, dans la campagne, vous rencontrerez les personnes que vous allez jouer aujourd'hui. Puisque ce qu'on fait aujourd'hui se passe avant la campagne. Trouver des noms un peu cons, comme ça on se souviendra. C'est lesquels. Wow, ça devrait aller quand même. J'ai les noms déjà. Parce que du coup, vous allez tirer au sort qui vous allez jouer. Oh non, j'avais un nom trop bien. Je m'en serais souvenu dès qu'on l'a rencontré. Ça peut se négocier. Parce que j'avais prévu... Alors, en fait, je vous fais le très rapide mise en situation, et après on choisit les persos. Vous allez être des personnes de l'Empire Galactique. Et vous allez faire partie d'un équipage. Ce ne sera pas vous le capitaine. Aucun de vous sera capitaine. Mais voilà, vous serez dans l'équipage. Ok. À des postes aléatoires, bien évidemment. Ça me ferait mourir de rire que Théo joue un bureaucrate. vas-y Théo, lance un D6 et je vais te dire qui tu as. Qui ça? Théo, par exemple, je sais pas, au hasard. Vas-y, vous lancerez tous. Oh putain, j'ai pas besoin de me mute. Attends, c'est... oui, parce qu'il a désactivé sa soundboard. C'est merveilleux. Attends, c'est quoi, Slash R, un D6. C'est ça. C'est bon. 5. Donc 5. Par défaut, tu aurais eu Monsieur Guernec. Et Monsieur Guernec, il est quoi? Monsieur Guernec, il est pilote. Oh ouais, je suis trop bon pilote. J'espère que t'es aussi bon que Sir Arma. Hein. Alors du coup, est-ce que tu veux t'appeler Monsieur Guernec ou tu as un autre nom Si le nom est non est correct. Je garderai le nom con pour le prochain personnage, pour un prochain. Voilà. D'accord. Pas gâcher les cartouches tout de suite. Donc Monsieur Guernec, qui Guernec, pardon. Guernec. À la place de 6 mois. À la place de 6 mois, ouais. Monsieur, attends, c'est G. E N. E-R-K. N-E-R-K. Ok. Et en stat, si t'es sur. Mais ça restera toujours 6 mois, même si. Par contre, ça peut rester. Oui, mais après, c'est pour aujourd'hui, donc c'est pas génial. donc en agilité, tu as 4. Ouais. Tu as 1 en arme de poing. Tu as 1 en arme embarquée. Tu as pilotage vaisseau à 4. Tu as pilotage véhicule aérien à 4. Tu as technologie à 2. Ouais. Après, en carrure, tu as 2. Ah, ça change un peu. Tu as environnement espace à 1. Tu as 3 en perception, 2 pour falsification. Falsification. Toc. Merde. 3 pour les senseurs. Ouais. 1 pour les systèmes de sécurité. Ouais. Ensuite, tu as 4 en intelligence. Putain, ça change beaucoup. Tu as connaissance empire à 3. Ingénierie à 1. Navigation à 4. Science stellaire à 2. Et ensuite, présence 3. 1 en baratin. 3 en bureaucratie. Putain. J'avais raison. Finalement. 1 en séduction.
Tu as 3 en sang-froid. 1 en détermination. Et 1 en illégalité. Ok. Et en équipement... Attends, je vais te faire un copier-coller, ça ira plus vite. Donc en équipement, tu as pistolet laser et une combinaison de vol. Et en qualité, tu es rusé. C'est vrai que ça change. Mais en défaut, tu as des cicatrices. Ouais, faut pas déconner quand même. Et voilà. C'est bon pour toi. Je et tu as 50 crédits. Je n'ai pas trop mal d'huile de Daisuke. 50 crédits, c'est ça ? Ouais. Ok. Ok, donc ça, c'est bon pour toi. Alors ensuite, soit Thomas ou Max, comme vous voulez. L'un des deux me lance un des 6. Okay, très bien. Alors. Il va refaire 5. Bah, si c'est 5, tu relances. C'est un des 6, c'est ça ? Ouais. Alors, toi, tu aurais Monsieur Norétine. Norétine ? Ouais. Tu es aveugle ? Je l'avais même pas capté quand je l'ai écrit, celle-là. Putain, mais... N-O-R-E-T-Y-N. Norétine. et Norétine, il est Norétine. Norétine. Y, attends, après Y, c'est N. N-E non, juste N. N, tout court. Mm. Très bien. Et bah, toi, t'es un G. Ça changera pas trop. Oh putain. le hasard, des fois. C'est même pas drôle. Alors, du coup, tu as agilité 3. Tu as 1 en arme de poing, 2 en arme d'épaule, 1 en arme embarquée, pilotage véhicule terrestre à 1, pilotage vaisseau spatial à 2. Enfin, vaisseau, quoi. Ok. Vaisseau à 2, technologie à 4. Après, tu as 2 en carrure, avec 1 en athlétisme, 4 en perception, avec 3 pour la recherche, 1 senseur et 1 système de sécurité. Alors, attends, 1 falsification. Non. Senseur. 3 recherches. Et... Falsification, t'as pas. C'est 3 recherches. 1 senseur. 3 recherches. Et système de sécurité. Donc il y en a 3, c'est ça ? Ouais. Ok. Après, tu as 4 en intelligence. Avec 3 en analyse. 3 pour connaissance empire. Donc ça vous l'aurez tous puisque vous venez tous de l'empire sur ce scénario là. 3 en ingénierie. 1 en médecine. 1 en navigation. 2 en sciences solaires. 3 en sciences stellaires. Ok. Ensuite tu as 3 en présence avec 1 en baratin. Très bien. Et tu as 3 en sang-froid avec 1 en démolition. 3 en sang-froid avec 1 en démolition ici, ok. T'as pas d'armes, mais tu as des vêtements. Bon, je vais te faire un copier-coller. Tu as des vêtements de travail, des vêtements simples et une caisse à outils. Et en qualité défaut, tu es rapide. Donc tu peux faire une action de plus quand t'es en combat ou en conflit. Mais tu as une sale gueule. Donc la négo... C'est souvent ça, j'ai l'impression. Un défaut très commun.
Et c'est tout. Et du coup, 50 crédits aussi. Vous aurez tous 50, et vous aurez tous qu'un seul point de panache, puisque vous n'êtes pas des pirates. Comme la dernière fois. Et du coup, monsieur Thomas... slash R, 1, D, 6... je relance. S'il te plaît. Mais, quoi ? Six. Donc toi, tu auras monsieur Ardenis. Tu me l'appelles ? A-R-D-E-N-Y-S. Et Ardenis, il est fusillé. On a vraiment inversé tous les rôles, en fait. Bah, ouais. Pas vraiment, hein. Sauf pour toi. Pour moi. Mais vous deux, là... C'est vrai qu'on a échangé les rôles. Et le fusillier... Enfin, en soi, si on avait vraiment échangé, j'aurais dû être canonnier. Ouais, canonnier, fusillier... Bah, fusillier, c'est plus celui qui fait les abordages. Il est moins bon pour les armes de vaisseau. Par contre, tu as le choix, alors t'es pas obligé, je l'ai mis en option sur le perso, tu es le seul qui a le droit d'être mutant si tu veux. Sachant que mutant, t'as un bras en plus et une peau blindée. Oui. Donc oui. Surprenant le changement là. Tout de suite quand on dit ce que ça amène, ça change un peu. Et là, Opercut regrette de ne pas être mutant. Non, franchement, non, je suis bien. Pilote, c'est pas grave. Non, mais Opercut. Personnage originel. Ça va. Après, t'as le racisme quand même. Surtout qu'on est dans l'Empire, donc ils sont pas très copains avec les mutants. Oui, bah c'est pas moi qui parle là. Alors, du coup, tes stats. T'as 3 en agilité, avec 3 en armes de poing, 4 en armes d'épaule. Ah oui, c'est pour un. Ah oui, t'as 5 en carrure. T'as 1 en arme lourde. Combien en arme lourde ? 1. 3 en athlétisme. 1 en mêlée. T'as environnement espace à 3. Après tu as 3 en perception, avec discrétion à 1, senseur à 2. Comment j'arrive à être discret? Bah avec 3 bras et la peau blindée, je sais pas. Mais t'as un petit point. Donc j'étais là, 2 en senseur, ouais, 2, et 2 en vigilance. Après, sans surprise, tu as 2 en intelligence. J'aurais pensé moins. Là, c'est compliqué, moi, ça veut dire que t'as un défaut handicap. Ah, oui. Du coup, t'as connaissance de l'Empire à 3. Comme à peu près tout le monde ici. Bah, vous êtes obligé. Ouais. Tu as 3 en présence, avec aucun point ailleurs. En présence ? Ah oui, non. Oui. Juste à côté. Chercher encore dans l'intelligence. Ah non, intelligence, c'est fini. Et d'ailleurs, présence, c'est fini aussi, t'as que 3, voilà. tu as 3 en sang-froid. Avec 2 en démolition, 3 en détermination, effectivement, je suis le bourrin, le mec. 1 en intimidation. Combien en intimidation ? 1. 3 en premier soin. Ah, je suis le médecin aussi. Et tu as 3 en tactique. Après, en équipement, je vais te faire le copier-coller aussi. Tu as un fusil laser, bien évidemment. Tu as un gilet protecteur. Et des vêtements bêtes et cons. Et en qualité défaut, tu es intrépide. C'est une qualité. Et par merde, contre. J'ai tout cassé, je crois. Qu'est-ce que t'as fait ? Non, ça a l'air bon. Non, c'est bon. Et intrépide, ça fait. Je te fais les copier-coller. Tu peux utiliser du Metal Factor pour faire des acrobaties ou de l'athlétisme.
Par contre, tu es wanted. Je fais des tricks sautes. C'est un peu ça. T'es wanted à 3. Ouais, je crois que j'ai enlevé sur le vouloir le combien ça coûtait. Ouais, c'est pas grave. Et puis, bah, t'as une tête de mutant. Hein. À un moment, t'as 3 bras. Donc... et du coup, donc mutation, membre surnuméraire. T'as un troisième bras. Et épiderme réactif. Qui fait que tu peux. Donc ça te coûte 2 points d'énergie X pour l'activer, plus 2 à chaque tour où tu veux le garder activé, qui te permet de bah, tu blindes ta peau, t'as un niveau de protection en plus. J'ai combien d'énergie X au début ? Ça doit être marqué au-dessus, tu as 5. T'as 8 points de vie et 5 d'énergie X. Je peux pas changer le nombre d'énergie X. Non, mais il est marqué à 5 là. Il est marqué à 5. Bah, ferme et rouvre ta fiche. Non. Bah, énergie X, moi je le vois à 5 sur ta feuille. Non. Il y a marqué quoi, toi ? 0. D'accord, bah tu as 5. Mais comment je fais pour le changer ? Bah, tu peux pas le changer, c'est un calcul. Tu coches, tu laisses juste les 5 premières cases décochées. Tout simple. Ok. Donc, on est bon pour ça. J'ai pas de thunes. Si, 50, pardon, comme tout le monde. Vous avez tous 50. Excuse-moi. Et en pire galactique, je suis civil ou militaire ? Je sais plus, je crois que vous êtes tous civils, mais peu importe. Vous êtes de l'Empire, c'est sûr. Mais je crois que c'est civil que j'ai pris. Ok, alors, donc on a Monsieur Generic, qui est pilote, Monsieur Noritin, qui est ingénieur, et Monsieur Ardenis, qui est fusilier. Vous êtes tous sur le même vaisseau, vous faites partie du même équipage, vous vous connaissez déjà, pas besoin de faire les présentations. Vous êtes sous les ordres du capitaine Anora, qui est capitaine de l'armée, enfin de la flotte impériale. Vous êtes parti de la planète, une des planètes centrales de l'Empire qui est Kargal. Et vous êtes envoyé sur le front pour vous battre contre l'Empire de Sol. Problème, entre-temps, vous avez... Au cours du voyage, vous avez eu différents problèmes de type tornade et autres... imprévisions. Et notamment une attaque d'hypersquall. Pour changer. Voilà. Qui a gravement endommagé le vaisseau. Ce qui a forcé le capitaine à vous dérouter, parce que le front... Je sais pas, je vais vous afficher la carte pour que vous voyez à peu près où on est. Donc sur la carte, vous avez Kargal, qui est en bas dans l'Empire. Donc vous êtes parti de Kargal, et vous étiez censé aller pleine balle vers le front. Qui est un peu au-dessus. Sauf que vous vous êtes fait attaquer en chemin, etc. Vous avez des problèmes. Et vous avez été dérouté pour faire des réparations jusqu'à la station relais qui est en Delta Prime 9, donc qui est le petit point gris à droite de Kargal, où vous vous trouvez pour le moment. On commence ici. Et... Ah, il reste encore du chemin.
Il reste encore du chemin. Ouais. Donc, vous êtes sur la station. Votre vaisseau, c'est celui que j'ai mis au-dessus de la station, là. Donc, votre vaisseau, c'est un Galactic Scout. Et il a pris... Donc, de base, il a 10 points de vie, comme vaisseau. Du fait des différentes attaques et de ce qui vous est arrivé jusque-là, il a pris 5 dégâts superficiels, donc ça, pas très grave. Mais surtout, il a pris 2 dégâts graves. Donc le capitaine vous a ramené sur cette station faire les réparations. Avec vous, sur le bateau, enfin sur le vaisseau, vous avez le capitaine. Vous avez 2 personnes qui servent de vigie. Vous avez un canonnier. 2 autres ingénieurs. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est un vaisseau. De... En tout, il y a 3 ingénieurs, ouais. Ah, c'est pas mal. Et c'est un vaisseau de type corvette. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de transport, mais vous avez 2 tourelles canon laser. Okay. Donc vous venez de vous poser dans la station. Et vous avez le capitaine qui descend dans la machinerie et qui vient vous incendier, qui dit « Bande de nul ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mon vaisseau, il est tout cassé. Pourquoi vous n'avez pas réussi à éviter cette attaque ? Réparez-moi tout ce bordel à vos frais. » À vos frais ? Oh, la mutinerie qui s'annonce. Peut-être que si on était mieux commandé aussi. Ah, c'est toi le beau parleur de l'équipe, hein. Rappelle-toi. Ouais, ouais, j'avoue, là on compte sur toi. Hein. Là c'est toi qui fais toute la négociation. Hein. Attends, je suis pas habitué à ça, moi. Je connais pas ce truc là. Moi je pense que je peux jouer à ta manière. Si vous voulez, je peux lui mettre une droite. Alors, c'est votre capitaine. Je sens qu'on va finir abandonné sur ce. Est-ce que je lui mets droite ? À tes risques et périls, hein. Moi je me désolidarise de toute tentative. Tu te fais. C'est ton rôle qui est à risque, hein. Pas le mien. Tu vas essayer de négocier avant toi là. Tu veux négocier quoi ? Bah le fait qu'on doit payer les réparations. Mais déjà on a 3 ingénieurs, on va voir s'ils peuvent pas faire quelque chose sans avoir à payer des trucs. Peut-être. Avant de vouloir acheter des trucs. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose à 3. Je sais pas, c'est juste une idée. Peut-être le fait qu'on ait 3 mecs qui peuvent réparer. Alors on peut dire, vu que... Attends, faut que je me mette les noms à côté, sinon je vais vous appeler toujours par vos anciens noms. Le fait que Noretin, tu joues l'ingé, on va supposer que t'es entre guillemets le chef des ingés. C'est-à-dire que c'est toi qui contrôle les 2 autres, ce que tu veux qu'ils fassent. Pendant que les 2 autres là ils s'engueulent, je vais peut-être essayer de. Ouais, par contre, je m'entends en double. Ouais, moi aussi je t'entends en double. Tu m'entends en double ? Moi ? Ouais, je crois que ça vient de toi. Max. Je sais pas si c'est une. Bon, bref, donc je disais, je vais essayer de voir un peu déjà ce que je peux faire pour avancer les réparations. Ok. Ouais, baisse un peu le son des enceintes, je crois, Flo. Attends, je vais bouger pas. Je baisse un peu mon son. Donc, je vais reculer un peu le micro tant qu'à faire. C'est mieux, là ? Bah, ouais. Probablement, on va essayer. Vous me redites si... S'il y a besoin. Donc bah voilà, je me mets au travail quoi. Puis, ok. Puis voilà. Alors sachant que vous avez pris 2 dégâts graves et que ça se répare 1 par jour maximum, tu peux commencer. Tu as ce qu'il faut en pièces détachées pour réparer le premier. Ça y a pas de souci. Très bien. Donc, c'est un test d'ingénierie et la difficulté, vous êtes dans un port, donc il te faut au moins 2 succès. Ok. Alors, j'ai 7D de succès. Ça doit être. Temps, ouais. 7D. Ah oui, 2. Je croyais 7D de succès. C'est... Il faut au moins 2 succès. Bon, oula, ça va. 6 succès. 6. Ok. Donc tu parviens à réparer sans aucun problème. Tu répares sans problème un dégât grave et vu que t'as fait quand même un nombre
assez impressionnant de succès, j'enlève aussi 2 dégâts superficiels. Très bien. Pour le coup, le capitaine, à la fin de la journée... Alors, on verra à la fin de la journée. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites pendant le reste de la journée, pendant que lui répare? Bah, si vous faites quelque chose. Pas mal d'aller chercher des nouvelles pièces détachées pour le lendemain. Peut-être, je sais pas s'il y en a, il y aura assez ou pas pour le lendemain. Non, il faut en acheter. Bah, on va en acheter. Ouais, d'ailleurs, je dis à l'équipe, au reste de l'équipe d'ingénieurs, d'aller faire le ravitaillement et tout, en essence, etc. S'il y a besoin, je sais pas. Il y a besoin, ouais. Je vais juste demander au capitaine si on peut pas avoir un peu d'argent pour acheter les pièces détachées. Il a dit à nos frères. Ouais, il l'a dit à nos frères. Tu veux essayer, tu peux essayer. attends, je récupère le capitaine. Alors, quelle stratégie tu veux essayer de lui... Je raisonne et je vais lui dire... Écoutez, mon capitaine, si on paye avec... On a... Non. Non mais je lui dis, écoutez mon capitaine, si on paye à nos frais, bon déjà on n'a pas beaucoup d'argent, donc si on achète des trucs ça va être de la basse qualité, ce qui va juste mettre le vaisseau encore plus à risque d'être encore plus endommagé, et à ce moment là il faudra encore revenir. Donc autant mettre un petit peu plus à la poche, mais avec votre argent, et puis comme ça on peut acheter des meilleurs trucs, et au moins le vaisseau sera en bon état. Ok, lance TD en éloquence. Et lui, il fera en empathie. J'ai jamais utilisé ça. Mais bon, j'ai trouvé. Ah, mais si, je sais, c'est que j'avais pas parlé. Un succès. Ah oui, t'as que 3 en éloquence. Ouais. Et bah, il a que 3 en empathie aussi. Donc, un, c'est bon. Il te dit. Il est assez convaincu par ce que tu viens de dire. Il est pas très content quand même. Il dit, vous faites un peu chier quand même, c'est un peu de votre faute. Et il te dit, combien vous avez besoin? Le plus possible. combien vous avez à nous épargner? Vous voulez acheter quoi? Des pièces détachées? Ouais, principalement, beaucoup de pièces détachées. Beaucoup. On a un dégât grave quand même. Ouais, quand même. Faut pas déconner. Ok, je peux vous donner 200. Ouais. Ça coûte combien les pièces détachées? C'est 2 crédits le kilo. Ouais, 200 c'est bien. 200. Alors il te donne 200 crédits. Attends, je me casse. Je change d'équipage. Je change d'équipage. du coup, tu veux aller acheter directement? Ouais, je vais juste demander. Du coup, aux ingénieurs, il en faudrait combien pour réparer le dégât grave là? Il faudrait combien de kilos? Moi je suis occupé, demande aux autres. Bah fait, alors tu vas lancer pour eux quand même. Lance un test de technologie. On va supposer qu'ils ont à peu près comme toi. Technologie, il est où? Dans le tout premier. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5 succès. Ok, donc ils arrivent à estimer à peu près de façon juste ce qu'il faut. Et ils disent qu'avec 20 kilos c'est bon. Ça va. Il a totalement arnaqué le capitaine. Il s'est fait tellement de blé. Allez, bah je vais m'acheter de pièces. Même 40 kilos, comme ça on en aura un petit peu plus. Donc t'achètes 40 kilos. Alors, on fait un test de commerce, savoir si tu trouves quelqu'un qui vend des pièces détachées. C'est laborieux. C'est juste, hein. Je suis pas à l'aise sur une station, je préfère être dans l'espace. Alors t'en trouves un, mais il les vend à 5 crédits le kilo. Ah, ça va. Attends, ça fait combien 5 fois 40 ah, ça fait quand même 2 fois plus cher. Hein. Bah, ça te fait 200, tout pile. Si tu prends 40 kilos. Ah, tu peux essayer de négocier. Négocie. Ah ouais. Vous voudriez pas vous mettre l'Empire à dos quand même? Quand même, on part sur le front, on va avoir beaucoup de batailles, vous pourriez quand même faire ça pour l'Empire quoi. Quand même. Alors attends, je te prends celui contre qui tu vas faire ça. Donc ça sera un jet de commerce. Il faut que tu fasses mieux que lui. Sachant que c'est pas. C'est pas un marchand, t'achètes des pièces détachées, donc c'est un mec pas très... C'est un gars comme vous.
Deux succès quand même. Et lui un seul. Ah. Donc tu gagnes ta négociation. Donc il veut bien te les faire, du coup, au lieu de 5 à 4 crédits. Ok. C'est toujours mieux que rien. Il est fier quand même. Hein. Ça te fait du coup 160 au lieu de 200. Ouais, je vais en acheter que 30 kilos. Ok. C'est bon. Donc 30 kilos, ça te fait 120. Donc 120 moins, c'est 130. Ouais, c'est bon. Ok, donc. T'es quand même arnaqué le capitaine. Hein. Ouais! Alors, pendant que toi tu fais ça, on a dit que les autres ingénieurs faisaient le plein du vaisseau, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah après, s'il y en a trop, s'il y a besoin que d'un seul, les autres ils peuvent récupérer les dégâts légers, peut-être. Alors, on peut le plein. En fait, ça dépend. C'est, il faudra deux succès. Sachant que eux. Pour faire un plein sont... Ouais. Ah, c'est dangereux. C'est compliqué que ça. Bah, c'est des c'est des matières radioactives, donc c'est un peu dangereux. Sachant qu'en ingénierie, du coup, ils ont 5 dés. Donc en fait, soit je lance... On met les deux qui font ça et je lance 6 dés au lieu de 5. Soit on en met qu'un et je lance 5 dés et l'autre peut faire autre chose. Ouais, deux succès sur 5 dés, quand même. Ouais, ça se fait, hein. Ouais, mais bon... C'est radioactif, on les perd s'ils ratent. Non, s'ils ratent, c'est soit ils y arrivent pas, s'il y a au moins un succès, et s'il y a zéro succès, vous verrez. Ah, quand même, pour faire zéro succès, faut le faire quand même. Moi, franchement, on sent que ça passe. Ah, vas-y, on est encore là pour un moment, donc on peut se permettre un peu de retard, on en met qu'un seul à faire le plein. Allez, vas-y, lance ça. S'ils crèvent, on en a toujours un autre. Donc, là c'est dans le chat par contre, je crois qu'il faut que je mette. Ouais, sauf si t'as une compétence où t'es à 5. Tu peux... Voilà, c'est quoi 5d6 ? Ouais, slash R 5d6. Oh putain. J'ai eu peur le dernier. J'ai eu très peur. Ah, il a oscillé. Hein. Alors, vous voyez, vous voyez votre ami l'ingénieur qui arrive avec une grosse pile de radix, donc une pile radioactive, et qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Puis il voit la pile qui commence à s'échauffer, donc il la pose sur le côté. Il dit je réessayerai plus tard. Voilà. Et l'autre, tu voulais lui faire réparer les dégâts. On n'est pas trop de trois ingénieurs. Et l'autre, bah, il répare des dégâts légers. Hein. Ah, vas-y, lance bah, pareil 5D, parce que c'est la même compétence. Et il faut faire bah, deux succès aussi. Au-dessus de deux succès, c'est bon. Ah, c'est pénible, il me met les smileys. Ah, lui déjà. Alors autant ceux qui font le plein, ils savent pas trop ce qu'ils font. Autant ceux qui réparent, c'est bon. Donc les dégâts superficiels sont tous réparés. Entre toi et lui, vous êtes tous. Il reste plus que le dégât grave pour demain. Et du coup, qu'est-ce qui a rien fait, Ardenis, que veux-tu faire? J'inspecte les armes qu'on a à bord si elles sont encore bien entretenues. Ok. Bah, test de technologie. Alors, technologie. Alors, tu parles. Pardon. Pose pas grave, de 6. Je parlais des flingues, pas des canons. Oui, voilà, c'était ma question. Je les sens. Alors, globalement, ils sont en bon état. Par contre, il y en a pas beaucoup. Il y a. Toi, t'as un fusil. Les ingés, ils ont rien. Génère, qu'il a son pistolet. Et le canonnier, qu'est-ce qu'il a le canonnier, je ne sais plus. Le canonnier doit avoir une arme aussi. Le canonnier, il a un fusil comme le tien. Et le capitaine, il a rien. Et le capitaine, il est blindé d'armes. Non. attends, je reprends sa fiche.
Le capitaine, il a un hyper blaster et un poignard. Tous les deux en parfait état. Quoi ? Donc toutes les armes, voilà. Pas besoin de réparer quoi que ce soit. Alors on arrive à la fin de la journée. Vous avez tous été bien occupés. Le capitaine fait le tour, il inspecte un petit peu les troupes, on va dire. Donc il commence par les réparations, puisque c'est ça qu'il avait fait gueuler. Et il dit, je vois que vous avez comblé tous les petits trous, c'est pas mal. Le gros trou là-bas, vers les, ça c'est bon. Par contre, il en reste un. Vous étiez trois, vous en avez réparé qu'un. Alors à un moment, il reste un gros trou, vous auriez pu aller plus vite. Puis il regarde le réservoir possible, et il dit... Il regarde le réservoir de Radix, il dit... Et puis vous avez toujours pas fait le plein. Va falloir vous mettre manier, les gars, on nous attend sur le front. Vous me saoule déjà. Vous me faites un signe et à un moment je le déboîte. Donc il vous laisse, il attend pas de réponse, il continue sa route. Il passe dans le poste de pilotage voir Monsieur Générique. Et il dit, vous avez pu acheter les pièces ? Ouais. Vous les avez eu à un bon prix ? Il était difficile, mais... Ouais, non, c'était pas terrible. Il y avait assez pour ce que je voulais. Je crois qu'il viendrait, il allait dire, ouais, j'ai réussi à négocier, et après il s'est rappelé qu'il voulait garder la thune, je crois. Je crois qu'il vient de se passer ça dans son cerveau. La petite goutte de sueur sur le front. Quoi ? J'ai pas entendu. Et il te demande du coup, est-ce qu'il y avait assez dans ce qu'il t'a donné pour acheter les pièces ? Oui, il y avait juste assez. Il a voulu nous les faire à 5 pour par kilo. 5 crédits par kilo quand même. C'était cher. Et vous avez acheté combien à 5, à ce prix-là ? Bah, on a réussi à négocier pour 5 par kilo. Oui, mais combien de kilos vous avez acheté ? 30. Comme ça on en a un petit peu en réserve au cas où on se fait endommager sur le front, mon capitaine. Alors attends. Il va vouloir. Donc là tu vois, il réfléchit un petit peu. Et puis il dit... Il nous en reste. Donc 30 par kilo sur 30 kilos. Si c'est à 5 crédits le kilo que vous avez pris 30 kilos, vous devez me redonner 50 crédits. C'est combien 5 fois 200 enfin, 5 fois 30, ça fait 150. Capitaine, ouais, on se connaît depuis un moment, vous savez que je suis pas bon avec les chiffres. J'ai dû utiliser les 200. Lance un jet de baratin. Heureusement que je suis bon en baratin. Bah oui, un succès, heureusement que t'es bon. Je suis bon en baratin. Moi je dis qu'il a fait une suite, il a fait 1, 2, 3, 4 quand même. Ah oui, il a 3 succès, alors il te croit, mais alors pas du tout. Donc il dit, alors, vous avez bien acheté, c'est super, il y a eu assez, maintenant vous me redonnez mes 50 crédits tout de suite. Je vous propose une chose, j'ai un Shifumi. On décide. Alors, il veut bien accepter, donc ça va être la compétence de jeu. Sauf que vu que tu viens de te faire laminer, il n'y a que tes 6 qui comptent. Ok. Putain, oui. Il est joueur quand même, hein. Le capitaine, il est joueur, cool. Ouais. Hein. Bon, c'est pour 50 crédits, lui, un peu plus riche. Ah, vas-y, lance tes dés pour jeu. 2 succès. Bah non, un seul du coup, il y a que les 6, j'ai dit. Oui. Mais il est ultra fort. Il t'a battu au Shifumi. Alors, il tend la main, il dit, je peux avoir mes crédits maintenant ? Bon, c'est bien parce que c'est vous. Je lui donne 50, c'est ça ? Oui. Bon, ça te fait quand même un bénéf dans le dans ouais, c'est quand même un bénéf. Quand même réussi à un peu l'arnaque. Clay, il a fait le tour et il finit par venir dans les cabines voir Ardenis. Et tu dis, tout va bien dans les quartiers ? Oh bah l'arsenal, c'est bon. Et tu lui dis juste, ok, et il s'en va. Moi j'ai rien à négocier. Hein. Ah mais ouais, je suis trop con, c'était 40 kilos au début, c'est pour ça. Le pilote qui fait ses comptes sur son tableau de bord. Attendez, parce mais que là... Mais oui, je suis avec ma calculette, là. J'ai pris mon téléphone, ma
quelques-uns, mais où est-ce que je suis foiré? J'avais oublié. Champion. Alors, la nuit se passe, enfin la nuit, l'équivalent de la nuit en temps solaire. On arrive sur la deuxième journée sur place. Le capitaine refait un tour de tout le monde. Donc vous avez des rations, pas de souci. Vous mangez à votre faim. C'est pas très bon, mais c'est de la ration avec un verre d'eau. Peut-être pas terrible. Mais... ça, la ration. Je pense vous que avez... c'est de la ration française. Vous avez ce qu'il faut pour manger, quoi. Et donc il refait le tour simplement. Alors il fait pas de discours. Il passe juste les bras dans le dos, la démarche très militaire, et puis il vous regarde un peu avec le regard, genre vous avez intérêt à ce que ce soir ce soit prêt, quoi. Et un peu méprisant, non? Un peu méprisant, ouais. Alors, qui fait quoi pour cette deuxième journée? Bah moi je glande, hein, j'ai rien à faire. Je sais pas, est-ce que les ingénieurs ont besoin d'aide, hein? Ah bah nous on poursuit le travail, on va bien voir si on réussit, hein. Alors combien réparent et combien font le plein? Peut-être besoin d'aide pour faire le plein. Alors déjà je vais essayer de réparer le dégât grave. Tout ça. Il faut combien déjà pour le réparer? Deux, c'est ça? Il faut deux succès, ouais. Deux succès. Ouais, vas-y, je vais le tenter tout seul, je mets les deux autres au... À faire le plein. À faire le plein, ouais. Ok. Il va y en avoir besoin, je sens. Ah, vas-y, fais ton jet. Alors... pour toi, déjà. C'est bon, si, si, c'est bon. C'est parfait. Donc, tu consommes les pièces détachées que t'avais donné Générk hier. Et le vaisseau est maintenant réparé. Ouais. Alors, pour nos amis qui font le plein. C'est là où ça m'embête un peu plus. Il y en a un qui sait se débrouiller normalement. Il s'est sorti les doigts du cul la dernière fois. Donc ils sont deux. Enfin, pour réparer, base... pas pour faire le plein. On va voir. Donc de base, ils ont 5 dés, vu qu'ils se mettent à 2, 6 dés. Ils ont 6, c'est ça? Ouais. 6 Donc pareil, 6. 2 succès. Il en faut 2. Allez. 1, oui. 2. Et ben ils étaient pas trop d'être 2. Hein. Donc celui qui avait bien réparé hier va rejoindre son collègue qui était un petit peu frileux à l'idée de retourner manipuler des piles. Et il lui dit, regarde, je vais t'aider. Ils prennent ensemble la grosse pile de Radix et ils arrivent à la charger dans le réacteur. Tout se passe bien. Vous êtes chargé à bloc. C'est moi ou Max, tu viens de te rajouter une clé à molette dans ton pseudo. C'est pas une clé à molette d'ailleurs, c'est une clé tout court. Ouais, ça fait plus cool. Et plus trésorier maintenant. Oui. Est-ce que j'ai presque peur quand même pour les mecs là. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Est-ce que vous allez faire autre chose ou on passe directement à l'inspection du capitaine? Je crois que c'est bon. Bah, pour moi, c'est ok. Le vaisseau est prêt à voler. Hein. Alors, le capitaine fait le tour. Donc, dans le même ordre qu'hier. Donc il va d'abord voir content, les machines. Il dit, ah bah enfin, parfait, on va pouvoir décoller tout de suite. Et il passe dans le poste de pilotage, il demande simplement, bah, quoi de neuf? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Oh, ça se pousse. Ça se pousse. Ça se pousse. La nature profonde qui ressort. J'ai un lointain cousin, vous savez, qui sont... J'ai entendu des rumeurs. Un cousin un jour. T'as beaucoup de cousins, j'ai l'impression. C'est une grande famille. Il a une grande famille. Ok, donc il fait le tour. Il voit que tout est prêt, que le plein est fait. Donc il gueule pas. C'est bien. Il félicite pas non plus, mais il gueule pas. Ouais, il n'en a pas trop en demander non plus. Hein. Voilà. Déjà, il leur donne. Il ordonne à tout le monde de prendre son poste pour un décollage imminent. Alors, du coup, Théo et Thomas, vous avez déjà eu ce petit changement la dernière fois qu'on a joué tous les trois. Du coup, Max, je te réexplique un truc qu'on avait loupé dans les parties d'avant, et qu'on va faire maintenant. Les deux postes, pendant les voyages spatiaux, il y a deux postes qui sont obligatoires, c'est il faut un pilote et quelqu'un à la vigie. Les autres, c'est optionnel. Et quand
tu es à un poste une journée, tu peux pas y être le lendemain, parce qu'il faut que tu te reposes. Ça veut dire que... Ah d'accord, donc ils nous font un copilote ? Ouais. Ça veut dire que Daisuke, dans notre histoire principale, il peut pas piloter tous les jours. On l'a crevé à la tâche, en fait. C'est ça. Alors, on peut faire des tests... dans l'histoire principale. Vous pouvez faire des tests de veille, pour dire, bah, ok, je suis fatigué, mais je veux quand même le faire. Donc c'est de plus en plus dur à chaque fois que vous restez sans vous reposer. C'est logique. Et pour les autres postes, par exemple, le canonnier, s'il veut, il peut très bien dire, bah, moi, aujourd'hui, je me repose. Mais, peu importe le poste où vous êtes, le lendemain, il faut vous reposer. Si vous faites un poste... Mais, quand vous vous reposez, vous pouvez dire, je me repose, mais je suis prêt à tout. C'est-à-dire que s'il y a besoin de votre poste, vous n'avez pas de malus. Voilà. D'accord. Ça ajoute un petit peu de... variation dans le pilotage et les senseurs. Du coup, qui pilote pour le premier jour, pour le décollage? On va dire que c'est préférable. Oui. Moi, je peux tenter, hein, si tu veux. Non. Autant prendre un vrai pilote au décollage, quand même. Alors... Et si t'as un cousin qui t'a enseigné tout ça. Est-ce que l'un des deux autres veut prendre la vigie? T'as combien en senseur? Alors, senseur G5. G5 aussi. Bah bon, on sera à tour de rôle dessus. Vas-y. À qui commence? Vas-y. Bah, je vais y aller. Ok. Donc, hop. Et du coup, voilà. Après, bah, je répartis les autres PNJ à leur poste habituel ou au repos. Classique. De toute façon, c'est vous qui ferez les jeux. Alors, le décollage. Tu vas faire les tests de. Tu vas définir le cap aussi. en navigation. Sachant que le capitaine vous ordonne de mettre le cap vers Meanali, qui est en Z17. Donc c'est en plein milieu du front. Alors, capitaine, est-ce que vous voulez forcément atteindre cet endroit ou est-ce que j'ai une marge d'erreur? On est attendu là-bas, soldat, pour porter main forte à l'Empire. C'est en quoi déjà? C'est en Z17, c'est ça? En XI17, donc en X17. Non, parce que en bas je regarde les trucs, c'est chou. Ils ont pas un alphabet normal aussi, donc... Ouais. Ça m'a perturbé aussi. J'exige. Ouais. 17. Ok, j'ai. Ok. Et nous on est juste celle qui est à droite de Kangal, c'est ça? Tout à fait. Oh putain. Ah, suffit de compter. 1, 2. Les, tu peux faire en diagonale. 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ce que je faisais. 11, 12, 13, 14. 14. 14. Par exemple, 14. Je comprends pas. J'ai fait depuis XI17. Ouais. Et ensuite j'ai fait en diagonale. Après j'ai fait à gauche. Oh, j'en ai 8, moi, je crois. Ouais, moi aussi. Quoi? Moi, je l'ai pas, la maf. Moi, j'ai 8. Attends, je te la réaffiche. Carte galactique du journal. Je te la réaffiche. Merci. Moi, j'ai 8 aussi. 10, c'est bien celui qui est tout à droite, le deuxième en partant de la droite. Non, c'est en... Ton point de départ, c'est en delta prime 9. Enfin, le troisième, pardon. Attendez, parce qu'il y a deux non, simples t'es allé dans les primes. On va en XI, ah ouais, pas en XI prime. Il y a des primes aussi. Faut me dire qu'il y a des primes. Je sais pas qu'il y a des primes. Mais XI prime. Ah non, c'est pas XI en plus. C'est oui, pas c'est, XI, c'est un qui plutôt, non? Ouais, c'est un qui, ouais. Pardon. Qui? Ah, c'est le X. En fait, c'est en X. Ce ah qui oui, ressemble le plus à un X17. 11,
Pourquoi? j'ai pris celui-là. C'est pas ça. Attends, c'est bien XI. Non, non, c'est qui? Non, c'est qui? Kahashi. C'est la lettre X, parce qu'il ressemble plus à un X. J'avais compris XI, moi. Oui, non, mais il avait. C'est ce que j'ai dit, je me suis trompé. Au début. C'est juste qu'il sait pas parler. Ah, d'accord. Attends, je recommence. Mais parce que XI, c'était pas sur le front, donc ça marchait pas bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, eh bien, tu auras un. alors, ouais, moi j'ai 8 aussi, hein. Ouais, on est d'accord. Alors, attendez, on va faire un truc. Autorise lui le dessin sur la carte. Parce attends, que sinon, oui, mais il j'ai pas de... faut que je trouve un plan où j'ai la carte parce que je l'ai pas mise de base. Parce que je vais pas vous mettre ma carte de MJ, il y a trop de choses. Attends. Ah oh, putain de merde. Je vais te mettre une carte, on va regarder ça ensemble. Hein. Pourquoi on est en maternelle? Et le prof va m'expliquer comment les multiplications ça fonctionne. En maternelle. Ouais, t'as compris. Mais là c'est des additions en plus, c'est même pas des multiplications. Mais non, faut trouver où est le point de départ déjà. Mais faut faire un plus 1, plus 1, plus 1. Attends, là, ça charge, je vais mettre la carte, ouais, ça va bien se passer. Mais non, mais je pars tout le temps du truc. Elle est un peu floue, mais... Merci Maxime. Mais attends, mais moi quand je fais ça, ça marche pas. Oui, c'est... voilà, exactement. Ah, mais c'est là qu'on est, nous. Moi, je croyais qu'on était littéralement à un truc à droite de Kargal. Non, non, il a dit le point gris. Non, mais moi, j'ai dit on est celui qui est à droite de Kargal. À bah, un le point gris qui est à droite de Kargal. Le premier point gris ah, à droite de Kargal. Okay, c'est mieux en calcul, alors. Donc, on est d'accord qu'il n'y a que T6 qui compteront pour la navigation. Ça me paraît honnête. Ça fait un quart d'heure qu'il regarde la map, il est là. Non mais attends, on est là. Et on doit aller là. Ah c'est bon, j'ai trouvé ce vite. Et moi j'ai trouvé comment ça c'est fonctionne. T'as tout l'équipage à bord qui avait déjà trouvé vite. T'as le pilote, ah hey, ça y est. Tout le monde attendait que ça, les moteurs sont chauds, tout est prêt. C'est la première fois que je fais ça. On devrait pas le dire trop fort. Nous aussi. Ouais, mais moi j'ai un malus en tout ce qui est maths de base. Ouais, malus IRL. Alors avant, on va décoller. Alors donc pilotage vaisseau. Vous êtes dans un astroport, tout ce qui est plus standard, donc il faut un succès. C'est largement bon. Tu décolles, pas de problème. La première journée, tu rejoins le point de saut pour faire votre saut dans l'hyperespace. Vu que c'est une station. Il y a une navigation à faire. Ah, si, on va le faire maintenant, justement. Ah, okay. Parce que le point de saut, il est juste à côté pour les stations, donc ça se passe bien. Et toi, Thomas. Alors, test de navigation. Sachant que, donc, il faut parcourir un saut d'hyperespace, il te faut 8 cases. Donc il te faudra 2 succès. Et malheureusement, puisque tu a priori tu sais pas lire une carte, il y a que tes 6 qui comptent. Déjà, je tiens à dire, c'est pas bien de se moquer quand même. C'est méchant. Ça va, t'es une. Ah, il y en a un quand même. Ah bah il y en a qu'un. Donc tu te creuses la tête et tu... Non, ça ne marche pas, je n'y arrive pas, je ne sais pas par où faut passer. Donc, vous restez on sur place. Pas dans la merde. Et tu passes la journée à faire des calculs. Et le capitaine n'est pas très content. Donc, il te laisse le matin faire tes calculs habituels. Et par contre, il passe toute l'après-midi les bras croisés derrière toi à te fixer. Oh, le stress. Comment tu peux calculer avec ça? Je me retourne, je vais tuer le faire. Alors, il te dit, si je le fais... Je vous interdis de piloter pendant 3 jours.
Ah, j'ai envie de dire, c'est 3 jours où je suis tranquille. Hein. Vas-y. Ok, alors tu pourras pas piloter pendant 3 jours. Et lui va faire le test de façon tout à fait normale. Et il le loupe aussi. Donc tu dis, mais putain, il y a un problème, ça ne marche pas ces calculs. Vous m'avez embrouillé, soldat. Vous voulez que je vous montre comment on fait, mon capitaine ? Je peux laisser. Donc la journée se passe, vous êtes tous les deux à faire vos calculs, vous y arrivez pas. On n'est pas dans la merde. Le lendemain. Est-ce que tu veux retenter ? Je lui fais, si moi je réussis, je repilote et vous vous excusez. Il te dit, t'as intérêt à bien réussir. Alors t'as plus ton malus, hein, parce que maintenant c'est bon, tu l'as bien connu la carte. C'est réussi 4-2 hein, quand même. Donc il dit, vous avez fait le strict minimum soldat, donc ok vous pilotez, mais demain vous pilotez pas. De toute façon c'est ce que j'aurais dû faire. Hein. Ah, t'aurais pu tenter de veiller. Bon, on aurait pas voulu de toute façon, on va mieux se reposer un peu. Ok. Ok, donc en tant que pilote, tu enclenches les propulseurs d'hyperespace et enfin, vous partez. Eh ben quand même. J'ai pas trop pu. Je vais changer. On a presque attendu. C'est con parce que le mec qui passe pas mal de temps avec le capitaine, il est prompt à l'insubordination. Donc bon. Un peu dommage. C'est un peu folle la musique. Ça va. Tout son cœur, merci. Et je vais vous mettre votre petit vaisseau, tant qu'à faire. Voilà. Ok, donc ça c'est bon, vous êtes dans l'hyperespace. Votre premier jour. Donc on garde les postes habituels ou vous vouliez changer ? Un jour n'est pas passé de toute façon. Il n'y a pas besoin de se reposer encore. Non, il n'y a pas besoin, c'est pour ça. Voilà. Moi, je continue comme ça. En attendant de reprendre la main sur l'ascenseur. Quand Max le laissera. Ok, alors. On a dit ça. Est-ce que. Générique, que tu voudrais essayer de surfer sur la vague d'hyperespace pour aller plus vite et économiser du carburant. Ouais. Allez. Alors on fera ça après. D'abord, test de senseur, s'il vous plaît. Très bien. Alors, donc c'est moi qui y ai aujourd'hui. Ouais. Les senseurs, ils sont là. Hop. Deux succès. Alors, tu vois des changements dans la signature énergétique du tunnel d'hyperespace. Mais en contrepartie, tu vois pas de changement de trajectoire majeur, tu vois pas de voyant d'alarme. Tout bien. Est-ce que. Donc, après, vu que tu as réussi, tu peux faire un test de science stellaire pour savoir ce qui se passe. Eh bien, allez. Alors, science stellaire, par contre, je crois. Ah, si, oui, si, j'ai pas mal. Ah, oui, effectivement. 3, 4, 5, 11. Ça, c'est... Alors, donc vous y arrivez petit à petit là où tu avais détecté des changements. Et à travers la verrière, vous voyez des motifs colorés sur le tunnel. Des formes chaotiques, des arabesques aux courbes agréables. Une aurore boréale de l'espace. C'est un petit peu ça. Et toi qui a navigué un petit peu, tu sais que c'est quelque chose qui est souvent cité dans les légendes ou dans les discussions. Voilà, c'est assez courant, mais c'est joli. Et par contre, on ne sait pas très bien. Ok. Alors après, si vous voulez, vous pouvez essayer de les étudier, les recopier, les faire ce que vous voulez. Okay. Ou pas. Bah, je dis aux ingés de prendre note. Moi, j'ai fait mon boulot. Non, les ingés, ils regardent par la fenêtre, ils font « Oh !» Ils sont trop cons, putain. Quoi, t'as de la science stellaire, mais peut-être pas eux. Si, mais ils en ont ouais, aussi. Ouais, non, mais les dessiner, c'est pas compliqué. Ah, tu veux qu'ils les redessinent, pardon, j'ai mal compris. Bah, qu'ils prennent des notes, qu'ils disent, voilà, on a vu ça. Ils fassent des observations, quoi. Oui, d'accord. Eh bien, lance 3D.
pour voir si leurs dessins sont fidèles. S'ils n'arrivent même pas à dessiner, non, mais là je peux plus rien. Si, c'est bon, ils font un joli dessin. Alors, c'est pas parfaitement fidèle, mais voilà. A priori, ça n'a pas de sens, mais voilà. Vous avez un petit dessin de ce que vous avez vu. Qui est sans danger. Okay. Alors, monsieur le pilote, qui voulait surfer sur la vague. Oui. Vous avez bien fait un test de pilotage de vaisseau. 1, 2, 3 succès. Donc, 3 succès, vous gagnez 200 parsecs ce jour, sans décompter d'autonomie dessus. Voilà, hop, plus 200. Et pendant que tout ça se passe, le capitaine qui fait son tour habituel, donc il te regarde piloter, il fait pas de commentaires parce qu'il voit que tu fais pas trop mal ton boulot. Et par contre, il va voir les ingés qui regardaient et puis qui dessinaient les arabesques, puis il dit mais retournez au boulot, occupez-vous des machines, arrêtez de faire des dessins d'enfants. Et les machines vont très bien. Tout bien. Pire connard, ce capitaine, quand même. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment envie de lui casser la gueule. Du coup, vous parcourez 1200 ce jour-ci pour 1000 d'autonomie grâce au pilotage qui est bien surfé. Alors, deuxième jour, qui pilote ? Pas moi. On n'a pas d'autres PNJ qui pourraient s'en occuper ? Bah, t'as combien de pilotes ? Si, si, il y a d'autres. Parce vous que moi, j'ai dû me. J'étais déjà au censeur, donc je dois me reposer aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est bon. Ah, bon, tu peux faire un test de veille. Tu peux faire un test de veille si tu veux rester éveillé. Pilotage de vaisseau, j'ai. Ouais, 5. Remarque, ça pourrait. Mais après, il faut que tu fasses un test de veille, voir si tu luttes contre le sommeil. Du coup. Veille, c'est où, c'est où ? Attends, veille. C'est un test d'athlétisme, mais il te faut 2 réussites. À 2 succès, pardon. Ça revient au même. Hein. Ah, j'en ai 3. Oui. Hein, j'essaye de voir si j'ai les moyens physiques de faire le pilotage. De veiller. Voilà. Vas-y. Et a priori, non, donc je dors. Alors, si, non, tu t'endors pas. Tu restes éveillé, t'as un petit peu un œil qui tombe, mais t'auras juste difficulté plus 1 à tous tes tests de la journée. Parce que t'es pas super bien éveillé. Mais tu peux piloter. Bon, bah écoute, on va espérer qu'il se passe rien, et puis je prends le pilotage. Reste quand même aux aguets. Si quelqu'un peut surveiller au cas où, ouais, je m'endorme pas sur la barre. Bah, du coup, on avait dit, je crois, Thomas prend la vigie pour aujourd'hui. C'est ça. Ok. Du coup, est-ce que tu voudras surfer sur la vague en tant que pilote pour gagner ? Qu'est-ce qu'on y perd à tenter ? Absolument rien. Eh ben, on tente. Alors, c'est du pilotage ? Attends, pas tout de suite. On va faire le test de senseur avant. Vas-y, fais ton test de senseur, monsieur Ardelis. Hop, senseur. Oula. 2 succès. Alors, t'as l'écran qui se brouille un petit peu devant toi, mais voilà, sans plus. Tu vois pas. Tu vois pas d'autre chose. Donc vous continuez à avancer. Et puis on va faire le test de surf avec ton pilotage. Donc pilotage de vaisseau. Donc il te faut au moins 2. Waouh. 5 succès. C'est des succès. Exceptionnel. Et à moitié endormi. On va peut-être remplacer le pilote en fait. Sauf que en fait pendant que t'es en train de piloter en forçant tes yeux à rester ouverts, tout d'un coup tu vois un mec qui apparaît devant toi sur ton écran de contrôle. Mm-hmm. Et, bonjour. et il voit que tu pilotes bien.
Et en fait, il te traverse. Il me traverse ? Oui, il passe à travers toi. Tu vas faire un test de détermination. Alors là, j'ai intérêt de le réussir celui-là, parce que ça m'intrigue. Alors là, bravo. Tu gardes ton calme, tu te mets une petite claque. Il se met une petite claque, il dit c'est bon, je dormais mal, c'est tout. Et en fait, après, ouais, qu'il, soit pas... oui. Après qu'il soit passé sur toi, il va voir Ardenis et il passe à travers aussi à toute vitesse. Donc pareil, détermination. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, détermination. Détermination. C'est dans sang-froid tout en bas, à la droite. Merci. Raison. Ah alors, oui, beaucoup de détermination, toi, dis donc. Il est très déterminé, lui. Mais trois succès, comme toi. Donc pareil, lui, j'ai rien vu. Et ensuite, il fait des petits tours dans les quartiers, il passe voir le capitaine, donc il passe à travers tout le monde. C'est quoi ce bordel ? Le capitaine, il garde son sang-froid, comme vous. Il essaye de se débattre un peu, il fait du vent avec ses mains. Et puis arrivé dans les quartiers, il y a Jenner qui dort et il s'allonge dessus pour lui passer à travers, s'enfoncer dans le lit. Donc détermination aussi. Je sens que moi je vais le foirer. Ah oui, voilà. Zéro succès. Ah là, c'est vrai, je l'avais dit. C'est ça, il y avait un mauvais présentiment. Donc toi, tu fais des rêves atroces toute la nuit. Donc tu pourras plus utiliser de Metal Factor pendant ce voyage. Parce que t'as trop peur de... t'as trop peur de déclencher... d'être violent, parce que ça, t'as peur que ça le réattire. Et t'es pas mutant, donc c'est tout. Je peux juste dormir. Alors tu seras reposé quand même, juste... T'as plus droit au Metal Factor pour ce voyage. Est-ce que vous voulez faire autre chose pendant la journée ? Ah non, on est déjà tous occupés, je crois. Donc Ah bah oui, ils sont posés, oui, donc oui. Ok. Troisième jour de voyage. Qui fait qui à quel poste ? Donc ton test de veille, si tu te reposes pas, il sera plus dur. Okay. Ouais, je pense que je peux aller dormir. Ouais, je vais veiller au senseur. Tu vas veiller au senseur, ok. Donc test d'athlétisme. Un, deux... Et combien t'as fait ? Deux ? Trois ? Trois succès. Trois succès, c'est bon. Tu peux veiller. Donc tu restes au senseur. Entendant monsieur le pilote, est-ce que vous surfez, j'imagine ? Oui. En fait, je pose la question à chaque fois, mais je devrais faire l'inverse. Attends, pas maintenant. Ah. Test de senseur avant. Quatre succès. Alors, quatre succès. Tu détectes des rayonnements étranges qui baignent le tunnel. Tu vois que leur longueur d'onde, elle est inoffensive. Du moins pour toi, mais t'as peur que ça affecte un petit peu le vaisseau. Et tu vois que le tunnel devant s'illumine et brille très fort. Tu peux faire un test de science pour en savoir plus. Science stellaire, pour en savoir plus. Ah oui, j'en t'as deux. Je sais rien. Voilà, tu dis à tes comparses, il y a de la lumière, attention. Ce serait peut-être une idée d'envoyer l'équipe d'ingé vérifier la coque, voir si tout se passe bien, non ? Ils font encore sur moi. De l'intérieur, on peut peut-être rien voir. On peut. Si, si, ils peuvent essayer de surveiller ce qui se passe au niveau des générateurs et des machines, ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu surfes quand même ? Ouais. Vas-y. Alors, combien ? 1, 2, 3 succès. 3 succès. C'est pas foufou, hein. C'est pas fou. Ouais, c'est pas fou, mais ça te fait 2 sons de plus. Ouais, c'est ça.
200. Fais un test de technologie, du coup, comment, Noretine, pour les ingés qui regardent ce qui se passe. Un, deux, trois, quatre succès. Donc les ingés qui sont dans les machineries reviennent, observent le phénomène pendant que vous passez à travers. Et en fait, ils se rendent compte que ça a boosté le vaisseau. Vous avez gagné 200 parsec par le surf, mais vous en avez gagné 100 de plus grâce au phénomène. Oh, ça va. Ça serait pas mal de savoir comment ça fonctionne pour le reproduire, peut-être. C'était un phénomène stellaire, donc. Après, c'est. Ouais. Mais du coup, vous avez avancé de 1300 parsec aujourd'hui. Donc, il vous en reste. Vous êtes quasiment à mi-chemin. Ok. Alors, jour suivant. Qui va où ? Je pense que je retourne au censeur. Bah, je retourne me coucher alors. Et moi, je vais me coucher. Ah. Donc, c'est un PNJ qui pilote. Bah, non. Du coup, bah, au pire, je peux. Bah, non, bah, je vais piloter en veille au pire. Toi, tu faisais. Attends, je suis perdu. Tu pilotais déjà aujourd'hui, non ? Ah, ouais, il pilotait déjà. Non, j'ai vu mon athlétisme, non. Non, je vais me coucher. J'ai oublié, j'ai oublié, c'est un perso différent. Mais il était pas déjà en veille Non, c'est moi qui étais en veille. Oui, mais ouais. Justement. Bah, moi, je vais me coucher, justement. Bah oui, mais si vous êtes deux, allez vous coucher. C'est un PNJ qui pilote. Parce que j'ai que deux en athlétisme, en fait. Donc... Moi, j'ai que deux en pilotage. Les PNJ ont 7 en pilotage, hein, ceux qui vont prendre notre place. Bon, bah, je vais piloter, il y en a un qui va au censeur. Parce que faut peut-être moins rater le pilotage que le censeur. Bah, après, ouais, c'est après rater ta veille, c'est pas catastrophique. Bah, je vais prendre les censeurs. Si tu rates ton test, t'as juste difficulté plus 1 toute la journée, c'est tout. Okay. Je fais athlétisme, du coup. Vas-y. Yes. Donc c'est bien raté. Donc t'auras plus 1, il te faudra un succès de plus pour réussir tes tests. Pour aujourd'hui. Alors, ça... du coup, tu pourras faire ton test de senseur. Ah, quand même. Quatre. Ah, quand même, 4. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Alors, vous étiez à pleine vitesse et soudainement tout s'arrête. Genre le tout. Vaisseau dérive, les instruments répondent plus et vous flottez dans l'air. C'est sympa, ça. Ok. Il se passe quoi aux machines ? Alors, aux machines, tu as les ingés qui sont en panique, qui crient de partout, qui disent « Le moteur s'est arrêté, le générateur est en panne. » Quelle est la cause de la panne ? Aucune idée. Bon, on va étudier ça. Donc, pour réparer, ou étudier en tout cas, c'est un test d'ingénierie qui du coup est très difficile puisque vous êtes en plein milieu de l'hyperespace. Mm-hmm. Il n'y a que les 6 qui comptent. Donc, test d'ingénierie, que des 6. Et il faut faire le plus possible. Donc test d'ingénierie, toc, et il faut faire le plus possible. Est-ce que je peux me faire aider des deux autres ? Ouais, tu peux lancer 2 dés de plus. Très bien. 2 dés supplémentaires. Et on y va. L'appel. 3 succès. Donc t'arrives à voir que la panne, elle est simplement due au fait qu'avec les secousses, il y a une pile qui s'était un petit peu désaxée, qui du coup alimentait plus le générateur, qui s'est mis en sécurité. Et vous passez la journée à 3 à essayer de la remettre à la fois en sécurité pour pas vous prendre un coup de radiation et puis surtout pour pas faire exploser le vaisseau. Et vous avez le capitaine qui passe la journée derrière vous à vous fixer et à vous dire dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Donc vous parcourez 0 aujourd'hui, forcément.
Il y a une clé qui va voler, je sens. Qui va finir dans sa gueule, comme par hasard. Bon, bah, très bien, on fait les réparations. Donc, on considère que ça vous repasse. Ouais, voilà. On repart dès que c'est prêt. Alors, pour le lendemain, du coup, maintenant, tout est. Donc, la pile est remise en place. Qui prend quel poste? Donc, vous êtes quand même fatigué, hein, parce que le pilote a essayé de maintenir un cap sans trop y arriver. Mais voilà. Ça compte quand même comme si vous aviez fait quelque chose. Ok. Je suis fatigué aussi, du coup, moi, ou. Ouais. Bien, parfait. T'as passé la journée à réparer un générateur, c'est un peu. Les deux autres ingés aussi, du coup. On a combien de PNJ déjà? Alors, vous avez deux personnes qui sont censées être au vigie de base et un canonnier. Plus le capitaine. En plus des deux qui sont fatigués. Et du coup, tout le monde est fatigué. On peut à peu près tous dormir. Vous vous reposez tous. C'est Thomas qui est reposé, c'est tout. Ouais. Bah non, parce que. Si, oui, c'est moi, ça. Je me suis reposé. Si, toi, t'es reposé. Alors, tu prends quel poste? Censeur. Censeur. Très bien. Et les deux autres, du coup, vous vous reposez et je mets un PNJ en pilote. Mm-hmm. On va essayer, ouais. Ils ont 7 en pilotage. Ah, pas ça. Ça devrait le faire. Alors. Pilotage. Bah, quand il faut le capitaine. Sans ça. Les PNJ seront meilleurs que le capitaine pour piloter. Lui, grand. Enfin, après, si tu veux mettre le capitaine, tu peux essayer. Non, on va pas faire de conneries quand même. Alors, fais ton test de senseur. Pardon. 3 succès, ok. Pardon. Alors, tu penses qu'il y a un bug dans les senseurs parce que tu vois qu'il y a a priori, il y aurait un vaisseau devant vous. Est-ce que tu veux faire un test de science pour en savoir plus? On peut tenter, hein. Donc science stellaire. Ah oui, je connais toujours rien. Alors le capitaine, il passe derrière toi et te met une grosse claque dans le taquet. Oh, je lui remets une. Je m'en bats les couilles. D'accord. Alors. Oh là là. Oh, c'est terminé. Fais un test de. Il y en a qui va se faire éjecter dans l'espace. Lance un en mêlée. Ah, il y en a un qui a fini en tout. Cours martial. 4 succès. Qui prend ta claque. Alors c'est pas des claques qui font perdre des points de vie, hein. Ni celle qui t'a mis. Sauf si toi tu voulais vraiment lui faire mal, je sais pas. Non. Non. Donc Izzy, maintenant vous reprenez vos esprits et vous me refaites cette analyse. Mais je connais rien, moi. Alors il appelle un des autres PNJ. Et il dit, vous, analysez immédiatement ce qui se passe. Pourquoi on a un vaisseau devant nous? Est-ce que tu laisses ta place pour que quelqu'un d'autre analyse? Ah bah oui, hein, moi je laisse la place à quelqu'un de compétent. Hein. Alors il se prend ta place. De succès. Donc lui, il comprend mieux que toi pourquoi il y a un vaisseau. Enfin, il comprend mieux. Il analyse mieux les données des senseurs. Il te dit, enfin il vous dit du coup. Que c'est pas une épave, a priori, puisqu'il n'y a pas de dégâts apparents sur le vaisseau. Donc soit c'est un vaisseau qui était en panne au milieu de l'hyperespace et qui n'a pas réussi à en sortir, soit il a été largué, soit c'est un autre phénomène, on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut l'accoster, il faut que le pilote fasse un test de navigation pour aligner la vitesse, et ensuite manœuvrer pour aller jusqu'à lui. Sachant que la navigation, vous pouvez le faire vous, c'est pas obligatoirement celui qui pilote. Et le capitaine, il vous laisse pas le choix, il vous dit
On va immédiatement accoster ce navire. Ok. Alors, avant, il branche la radio. Et il essaye d'établir le contact avec l'autre vaisseau. Puisque c'est toi qui es au senseur, Denis, fais un test de recherche. Parce qu'on va imaginer que c'est toi qui as la radio, du coup. Ok, pardon. Moi. Oui, c'est toi qui est au senseur. Pardon. J'ai deux. Recherche. Pour établir un contact radio. Dans à gauche, droite. Tout va bien. Ok, outil de senseur. Un succès. Alors, t'arrives à avoir un lien assez faible, ça, c'est un peu brouillé. Et effectivement, l'autre vaisseau te répond, il dit... Ils parlent un petit peu tout... basiquement, on va dire, ils sont... Oui, bonjour. Donc le capitaine, il a la main sur ton épaule et il écoute avec toi. Il dit, demandez-leur le code, ils sont dans l'espace impérial, qu'est-ce qu'ils font là? Bonjour, vous faites quoi? Hello, are you Spanish? On est juste de passage, on est des marchands, rien de spécial, rien de particulier. Suspect ça. Ça vous va, capitaine? Il dit demandez leur code. C'est quoi votre code? Code d'identification. Donc ils transmettent un code, qui est un code de l'OCG, mais qui a priori est valide. Mais du coup, ça passe. Hein? Du coup, ça passe. Normalement, a priori, ils sont en règle. Bon, je suis le capitaine dirigé, hein. J'ai rien de prendre la décision. Le capitaine, il prend le micro, du coup, si tu le laisses faire, et il dit, vous avez rien à faire là, réduisez votre vitesse, on va vous accoster. Quoi? Donc les autres, ils ont un peu peur, ils disent, bon, bah, ok. Et vous voyez qu'effectivement, leur vitesse commence à diminuer un peu. C'est un vrai problème, le capitaine. S'il commence à céder à la piraterie, je lui mets une balle, hein, en à foutre. Il me faut que quelqu'un fasse un test de navigation. Bah, le pilote, j'imagine. Je peux le faire. Alors, le pilote, c'est un PNJ, mais... Donc, à faire autant que ce soit un... Mais non, mais le pilote, son rôle. Ah, celui oui, qui a le rôle de pilote. Il te faut 3 succès pour que ce soit parfait. Merci. Je le fais du coup. Vas-y. J'imagine que tu es le plus apte à le faire. Hein. L'appel. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon, tu parviens à faire à transmettre les infos à celui qui a le manche de... pour se caler sur la bonne vitesse. Quelle trajectoire prendre? Enfin, de l'épave de l'autre vaisseau. Et puis du coup, je vais faire le test pour le pilote. Il lui faut un succès parce que tu as bien fait les choses. Il en a 3. Voilà. Vous êtes engagé côte à côte. On va changer de scène. Vous êtes engagé sur face à l'autre vaisseau. Et le capitaine ordonne à tout le monde d'être à son poste, y compris au canonnier. Bon, je vais sortir les flingues de l'arsenal, hein. On sait jamais. Donc lui il est là. Si abordage il y a. Et vous. Préparez le matériel. Ah, attends. Vos senseurs à vue, ils font un 500. Ah, il ressemble à quoi le vaisseau en face? Bah tu le vois, il est en plein milieu. C'est celui qui est en plein milieu là, faut zoomer un petit peu. C'est un vous, tube. Vous êtes... C'est un tube. C'est un galacte. Alors. Puisque t'as l'œil de l'ingé. C'est maintenant que vous êtes un peu plus proche, c'est un galactique basique. C'est un transport léger de l'OCG. Ouais, c'était vraiment des marchands. Hein. C'est, ouais, typiquement, c'est un vaisseau de marchands. C'est jamais. Est-ce que je peux essayer de. Ouais, mais non.
C'est pas qu'est-ce moi qui vais essayer de raisonner le capitaine si jamais c'est vraiment des marchands. Il a pas dit quoi que ce soit, il a juste les accostés pour vérifier pour le moment. Ouais, mais je le sens mal. Pour le moment, il y a rien. Pour le moment, tu suis les ordres, tu fermes ta gueule. T'es à l'armée. Pour le moment, c'est un petit peu l'ambiance qui règne. C'est le canonnier à son poste, vous aussi. Les autres, du coup, en face, ils savent pas trop ce qui leur arrive. Donc, ils attendent un petit peu de voir ce que vous allez faire. Et notamment ce que le capitaine. Ce que le capitaine décidera de faire. J'ai perdu une feuille. Du coup, est-ce que quelqu'un veut... Donc on considère que vous êtes plus ou moins reposé, puisque vous êtes en alerte. Vous pouvez reprendre les postes. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre le pilotage? Je me mets au pilotage. Tant qu'à faire. Ok. Et du coup, au senseur, c'était... C'est Ardenis qui est au senseur? Actuellement, oui. Ok. Donc le capitaine, il te dit de façon assez sèche, hein, bien évidemment. Tu lâches l'ascenseur et tu vas te mettre dans le sas d'abordage. Je prends quoi comme équipement? Tu prends une combinaison anti... comment? Une combinaison spatiale et ton fusil laser. Il est pas là pour déconner, le capitaine, je vous le dis, les gars. Il est pas là pour récupérer des cookies. Hein. Ok. C'est juste que je peux juste lui glisser que c'est potentiellement uniquement des marchands. Oui, et il te dit pas de soucis, vous allez dans le sas. On va faire un contrôle de routine. Avec de l'arme lourde quand même. Prêt à tout. Alors, toi qui es au pilotage générique, le capitaine te demande de mettre plein gaz pour les accoster au plus vite. Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Bah, je suis lui dans un. Allez! Alors, vous avancez de 125 par tour, donc ça fait 5 graduations. 2, 3, 4, 5. Voilà! On arrive un peu vite quand même! L'autre vaisseau. Il va falloir décélérer un minimum hein, à l'arrivée. L'autre vaisseau est toujours en attente, il bouge pas. Il sait pas trop à quoi s'attendre et vous êtes. Bah, eux, ça... ils sont. Vous êtes mieux armé qu'eux. Et vous êtes de l'Empire, donc ils ont un petit peu peur quand même, donc ils attendent. Putain, des pauvres, ils ont rien demandé. Tour suivant. Est-ce qu'on est d'accord que tu continues à foncer dessus? Bah oui, sans le percuter non plus, quoi, mais... Oui, bien sûr. Il va juste passer à côté. Ok. Donc, vous êtes engagé dans ce qu'ils appellent le convoi tournoyant. Et on va faire un test pour savoir qui a l'avantage. Forte chance que ce soit vous quand même. Et pour faire ça, c'est un test de stratégie. Oui, stratégie. Donc je te laisse le faire toi. Et je vais le faire au nom des autres. Dans l'intelligence tout en bas. Je ferai une question après au capitaine. 3 succès et eux un succès. Donc c'est vous qui agirez, enfin qui pourrez tirer ou essayer d'accoster en premier. Pose ta question. Je suis pas le seul à aborder, on est d'accord que je suis pas tout seul. Hein. Il te dit au moment où on pourra accoster, le canonnier pourra venir avec toi. Et moi aussi, je viendrai avec vous. Ouais, c'est ce que j'attendais de voir. Donc vous êtes en combat tournoyant. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Vous pouvez tirer, bien évidemment. Et le capitaine est plutôt dans cette optique-là. En tant que pilote, tu peux essayer de t'amarrer à l'autre vaisseau. Ou vous pouvez... Vous pouvez essayer de fuir ou autre. Est-ce que tu veux essayer d'accoster tout de suite? Moi, il m'avait bien donné l'ordre de foncer dessus pour accoster. Oui. Donc tu fais ça? Oui.
Donc, pilotage. Tac. Deux succès, c'est un peu short, ça. C'est un peu short. Donc, tu percutes le vaisseau. Alors, t'arrives pas à... Comment dire ? À te fixer dessus. Par contre, t'endommages leur vaisseau. Tu leur fonces dessus, littéralement. Donc, vous, vous prenez un dégât superficiel. T'as un petit peu abîmé l'avant du vaisseau. Et ça, eux, ils en prennent... capitaine, quand je fonce dessus. Et eux, ils en prennent trois. Donc, eux, ils essayent d'établir un contact radio. Vu que c'est toi qui es dans le poste de pilotage, avec... Et oui, d'ailleurs, je t'ai pas demandé... Est-ce que tu voulais prendre l'ascenseur, Noretine ? Ou tu restes dans les machines pour rediriger l'énergie et ce genre de choses ? Ah, pardon. Alors là, je sais pas, excuse-moi. Noretine, c'est toi, on est bien d'accord. Oui, oui, si, pourtant. Mais... Non, la question c'était est-ce que tu veux prendre les senseurs ou tu restes dans les machines pour faire pour transmettre l'énergie, ce genre de choses. Je crois que je vais rester dans les machines. Ok. Donc du coup le canonnier lui il va pas faire trop de sentiments, il va profiter de ça pour tirer. Puisque vous avez l'avantage. Lui il engage le feu. Non mais attends. On les canarde tout de suite ? Lui, tiens, ouais. On sait même pas si c'est des méchants. Pourquoi on a opercute au canon ? Hey. Moi, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Après, il est pas forcément très bon non plus, donc ça passe à côté. Puisque forcément, c'est un petit peu perturbé par le... Comment dire ? L'incident de collision. L'accrochage. L'accrochage, voilà. Incident, on veut parler, franchement. Donc les tirs passent à côté. L'autre vaisseau essaye de faire un contact radio avec vous. Sachant que... Thomas, tu peux pas répondre. C'est toi qui le commande. Ouais. Allô. Qu'est-ce que vous faites? On est parfaitement en règle. Franchement, j'ai aucune idée. Moi, je suis dans. Franchement, je sais pas ce que je fais déjà de base. Alors, franchement, faut pas me demander à moi. Il dit, mais vous voulez nous couler, c'est ça ? Couler dans l'espace ? Bah, nous mettre hors d'état de fonctionner, quoi. Alors, moi, on m'a dit de vous accoster. J'ai raté. Un peu foiré. C'était pas intentionnel, les pronages. Il dit bon bah ok, bah on va se préparer. Puis il raccroche. Enfin, il coupe la radio. Est-ce que tu veux réessayer l'accostage? Ouais, je veux bien essayer. Vas-y. Pour avoir la ridicule. Non, en fait, en fait, c'est trop pire. C'est pire. C'est vraiment pire. C'est dommage quand même parce que à force ça va finir par faire un trou hein, si tu continues. Ça va passer. Oh. C'est ça. Je suis excusé juste avant. Alors, je les rappelle après, j'en fais. Ah, désolé. Donc lui il reprend 3 dégâts, hein, pareil. Superficiel. T'es quand même pas très loin. Et vous, vous en reprenez un aussi. Donc il y a le capitaine qui prend le micro interne et tu t'entends sa voix qui résonne dans le poste de pilotage. Arrêtez vos conneries, on doit accoster. Et l'autre qui est dans la tourelle, il continue de tirer, donc c'est encore plus dur, donc il n'y a que ces 6 qui vont compter. Et c'est toujours pas suffisant. Un bordel.
Qu'est-ce que ça va être quand on sera sur le front? Oh putain. Alors la différence par contre, c'est que eux maintenant ils vont riposter aussi. Ils ont pas des. C'est un... des grandes putain, capacités. Mais... mais ils vont, voilà. Le problème, c'est oh, que putain. Eux ils touchent. Alors attendez, parce que eux ils ont eu un canon laser léger. Donc vous prenez deux dégâts légers. Il commence... Il y a des, un petit peu de fumée sur la coque. Et le capitaine n'est vraiment pas content. Moi non plus. Qui est-ce qui va devoir réparer tout ça après? Est-ce que tu veux retenter un accostage? Ouais. Allez, vas-y. Je crois que je pourrais peut-être aller l'aider, non? Attends, je peux peut-être réussir celui-là. Tu, ah, peux plus prendre de tu peux pas prendre de Metal Factor, en plus t'as peur d'un fantôme. Mmh. Ah bah c'est mieux. Enfin. Donc tu réussis enfin ta manœuvre pour te coller flanc à flanc avec le, l'autre vaisseau. Les deux sas s'accrochent l'un à l'autre. Je résiste sur le vaisseau. Et le sas s'ouvre. Donc dans le sas, de votre côté il y a le capitaine, Ardenis, et pas le canonnier parce qu'il est dans son poste. Donc vous êtes tous les deux. Et face à vous, il y a juste une personne qui ressemble très fortement à un marchand qui vous attend et qui n'est pas armé. Vous entrez dans le vaisseau tous les deux. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que le capitaine parle? Bon, non. Hein. Alors le capitaine avance, il se met très proche du marchand, tu vois, il intimide un peu. Et il dit, qu'est-ce que vous transportez dans ce cargo? Alors donc l'autre dit, bah rien de particulier, on a quelques plantes, on a un peu à manger. Enfin, marchand quoi. Rien de particulier. Donc le capitaine n'est pas convaincu du tout. Et il te demande d'aller fouiller la soute. Dites-vous le sale mutant, allez fouiller la soute. Déjà tu me respectes. C'est non, tu veux quelqu'un qui m'accompagne. Parce que je sais pas où c'est. Non, c'est, alors si c'est juste pour pas te perdre, c'est bon. Yeah. Non, alors, mais je veux quand même quelqu'un avec moi. Hein. De votre équipage? Non, non. Ah oui, de eux, ok. Donc le marchand il dit d'accord. Et il appelle un de ses matelots qui vient avec lui. Donc tu vas dans la soute. Et là, tu vois plusieurs choses en fonction du test que tu vas faire en recherche. Recherche. Pas bien futé. Voilà. Un succès. Ouais, mais t'as un succès, c'est mieux que zéro. Donc, tu vois effectivement quelques petites caisses de rations, un conteneur d'eau, à peu près banal. Mais au fond de la soute, tu remarques deux gros containers. Je prends le mec, je lui donne un petit coup de crosse dans le dos pour qu'il aille ouvrir. Sans lui demander d'ouvrir? Juste le coup de crosse? Tu mets le coup non, de crosse? Non, en lui demandant d'ouvrir. Ah oui. Ok, il non, dit avant. Je suis pas sûr de vouloir. Ouais, mais moi je suis sûr de vouloir. Alors. Tu veux essayer de ou l'intimider. Alors tu dis directement ce qu'il y a dedans et on évite tout drame. Alors fais un test d'intimidation. Intimidation. Bon. Ok, bah. Je suis pas convaincu de ce que je raconte. Non, t'es pas convaincu et lui dit non, j'ai pas envie. Je lui remets un coup de crosse dans le dos. Alors fais un test de mêlée du coup. Ah. 1, 2, 3, 4. Alors attends. Parce que lui en mêlée. Ah oui, d'accord. Donc il prend un coup de crosse. Donc il perd un. Il prend un dégât. Et il avance vers la caisse. Il dit je suis pas sûr de bien vouloir faire ça par contre. Mais je lui ai dit, il peut sinon dire ce qu'il y a dedans. Et ça évite de l'ouvrir. Hein. Qui te regarde, il a un petit peu peur, tu vois, il dit, je pense que je préfère l'ouvrir. Je me mets en joue.
Ok. Il ouvre un des deux conteneurs. Et à l'intérieur, tu vois recroquevillé dans le fond du conteneur tout un groupe d'enfants mutants. Ah putain, il y a ma part de mutant qui... Je lui demande qu'est-ce que c'est ce bordel en fait. Il faut voir ça avec notre capitaine. Ah non, 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 non. Là, si moi, je vous remonte... savez, je suis que matelot, je peux rien y faire. Non, mais expliquez-moi un minimum. Bah, on a embarqué ces conteneurs et on va aller les vendre sur Riates. Vous vendez des gamins. On vend des mutants, c'est pas vraiment des humains normaux. C'est pas le genre de choses qu'il faut dire à un mutant, ça. Tu mets un coup de crosse, mais bien dans les gencives. Ah, vas-y, refais un test de mêlée. 1, 2. Ok, donc il prend ton coup de crosse, il se sent pas bien. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on fait du commerce. D'autres meilleurs, concrètement. Attends, redis parce que ça coupe un peu. Je disais qu'il y avait d'autres manières de commercer. Oui, bah après, vous faites votre commerce, on fait le nôtre, c'est tout. Bon, sortez tous les gamins de là et on remonte. Donc là, il veut pas. Il dit, t'es sûr ? Mon capitaine va me tuer si je le fais, et si je le fais pas, vous me tuez, donc je le ferai pas. Je peux faire un petit coup d'intimidation. Vas-y. 4 succès. Oh, il se vide là. Bah non, parce que lui il en a fait 3 quand même, donc non, il se vide pas. J'en ai fait 4. Oui, t'as fait plus, mais... Oh, la tension. Il dit, ok, vous faites peut-être plus peur que mon capitaine, mais je suis pas sûr de vouloir faire ça. Parce que... Je le prends, je le remonte, hein. Tu le remontes avec moi. Ok, donc ça, bah ça tu peux du coup, puisque t'as fait un succès de plus, tu peux l'attraper et le remonter. Donc tu reviens dans le... On va dire le sas d'entrée du vaisseau, où il y a le capitaine qui attend les bras croisés. Il va arriver avec le matelot, qui... le matelot il a la gueule en sang. Ah c'est ça, c'est exactement ça, il te dit ah bah c'est bien, les bonnes manières rentrent. Qu'est-ce qu'il y a dans la coque? Trafic de mutants. Trafic de mutants, c'est intéressant ça. Et ça vous en touche une? Bah un peu quand même. Où est-ce qu'ils emmenaient ces mutants, vous savez? J'ai oublié. Oh je fais parler l'autre moi, c'est ma marionnette hein. Alors t'as fait qu'un succès de plus, c'est pas ta marionnette. Il je dit, peux leur mettre une patate et j'en fais ma marionnette. Il regarde son capitaine et l'autre il voit qu'il est mal au point et c'est le marchand qui répond, il dit on les emmène sur Riates. Et votre capitaine te regarde et te dit c'est quoi votre avis? Bah mon avis c'est que faut être traité comme les autres et donc ça fait reste du trafic d'humains. Là, il fait un grand sourire. Et il dit vous êtes marrant. Vous. Il dégaine son pistolet blaster et il met une grosse balle dans la tête du marchand. Et il dit maintenant, ces conteneurs sont à nous. Ben, non. Moi, je suis pas d'accord. Et il dit vous avez beau pas être d'accord, ici, c'est moi le capitaine. Donc soit vous remontez dans le vaisseau, soit vous restez oh, dans je lui mets un coup de crosse. J'en ai rien à foutre. Distribution. Eh bien, refais un test de mêlée. J'en ai rien à foutre, je distribue. Ouais, sauf que 3. Tu distribues rien du tout. Il arrête ton bras, il dit maintenant vous vous calmez, soldat. Ces marchandises sont à nous. Vous remontez dans le vaisseau. Coup de pied dans les testicules. Non, il t'a bloqué, tu peux plus, tu peux pas. Si, il m'a bloqué non. Le bras, t'as dit. J'ai les jambes. Oui, t'as les jambes, t'as 3 bras, mais voilà, il me reste encore 2 de valides. Sauf que c'est ton capitaine. Et alors? Et alors, tu peux pas lui faire des prises de catch au milieu d'un vaisseau. Dans l'histoire de l'humanité, cette phrase a été. putain. De toute façon, franchement, j'ai rien à perdre parce que je l'ai quand même agressé. Donc,
que j'essaye de le terminer maintenant ou que je remonte, dans les cas, dans les deux cas, je suis mort. Après, pour le moment, lui, il a pas envie de te frapper parce qu'il sait que t'as un bon élément et que techniquement, t'es le seul mutant de l'équipage et au sein de l'Empire, c'est très rare d'avoir des mutants. Donc voilà, il te garde parce qu'il, entre guillemets, il t'aime bien, mais si tu le pousses, voilà. Bon, à toi de voir. Je peux juste aller vérifier la cargaison. C'est-à-dire en question du MJ, hein, pas du capitaine. C'est-à-dire possiblement planquer quelques gamins pour éviter. Mais tu veux les planquer où? Qu'est-ce que les planquer où? Oui. Parce que eux, ils vont quand même les vendre si tu les planques dans leur vaisseau. Bah oui. Et puis eux, ils sont en train de dériver dans l'espace. Ouais, c'est compliqué. Littéralement, ouais, la meilleure option pour ces enfants-là, c'est qu'on les charge dans notre vaisseau parce qu'au moins, nous, on peut aller quelque part. Et vous avez des modules d'évacuation. Ouais, bon, pas le choix. Hein. On va se laisser faire. Hein. Donc tu remontes, la gueule très pas content, miné par ce que tu as vu. Le capitaine fait rapatrier les deux conteneurs dans votre vaisseau. Il abandonne les autres dans leur du coup épave et il vous ordonne simplement de reprendre la route. On va leur tirer dessus avant de partir. Ah, c'est pas toi qui est canonnier. Pilote. Canonnier avait l'air d'être pas mal. Alors justement, le canonnier. Parce que toute cette histoire, le capitaine, ça lui a moyennement plu. Qu'on tire sur le. Comment dire? Sur un vaisseau qu'il avait ordonné d'accoster. Donc il va voir le canonnier effectivement et il lui passe un gros savon en mode ça va pas te tirer sur une proie, on avait des choses à récupérer dedans, t'aurais pu tout détruire. Oui, sur une proie. Donc voilà, du coup le canonnier il est un peu comme toi, tu vois, il est quel connard ce capitaine. Et vous vous retrouvez un peu tous à la fin de la journée dans les quartiers et t'as le canonnier qui vient te voir parce qu'il voit que t'es un peu dans le même état d'esprit que lui. Et il dit, il y avait quoi dans ces conteneurs? Des gamins. Des gamins? Genre des ouais. Enfants? Ouais. Et le capitaine a décidé de les garder, c'est ça? À part s'ils sont mutants. Il a pas tellement prévu de les sauver, j'imagine? Oh non. Est-ce que vous avez un plan, peut-être? Vous voulez peut-être faire quelque chose? Parce que je vois que vous êtes mutant, j'imagine que ça vous touche. Ah oh bah j'ai essayé de lui en mettre une, mais bon, l'autorité avant tout. C'est pas le bon plan, vous savez, avec lui. Ça, je moi sais. Ce que je pense, c'est qu'il faut lui faire péter un bout du vaisseau et on se tire tous dans les capsules de survie. C'est au percute. Les autres, vous êtes à côté aussi, hein, c'est le soir. C'est le moment. Voilà, l'ingénieur, il est en train de péter une durite à côté. Je veux juste finir, pourquoi tu veux faire péter le vaisseau, pas juste la tête du capitaine? Personne ne touche à ce vaisseau. Genre, mec, je sais que t'aimes faire péter des trucs, on l'a bien vu quand on a fait la board, mais tu réfléchis dans ta vie. Ouais, mais vous savez. Non, je m'appelle Opère Belle Poutre. Non, lui, il réfléchit, il sait tirer au moins. Il dit, mais vous savez, il y a eu trop de choses horribles commises avec ce vaisseau, moi je veux juste m'en débarrasser. Parce que je sais que le capitaine, il s'en sortira toujours, il trouvera un moyen, il prendra un vaisseau, il nous tuera, il partira. Ah ouais, je sais pas. Attends, viens, on y va tous ensemble. J'ai les clés de l'arsenal, hein, c'est mon domaine. Allez, viens, dans la nuit. Ah, coup de couteau, la nuit des longs couteaux, allez. Ok, donc vous, je m'embrouille dans mes notes. Vous essayez de le persuader de votre plan à vous, du coup. Ouais, de sauvegarder le vaisseau, ça me paraît être une bonne idée. De type, au moins, on peut dériver, on peut rentrer, que les capsules, c'est des capsules. Ouais, on peut faire une nouvelle vie, hein. Il dit, on arrive sur une nouvelle planète, on n'est plus mercenaire de l'Empire, on est libre, on fait ce qu'on veut.
Alors que si vous gardez le vaisseau... Ouais, mais si vous gardez le vaisseau, vous êtes toujours lié à l'Empire. On vous retrouvera. Oui, bah le temps d'en trouver un autre. On garde celui-là. T'inquiète. On change la plaque d'immatriculation, c'est bon. Mais ouais. On a l'un jeu avec nous. Il sait comment falsifier. On le peint en noir et puis voilà. Mais tu vois, on peint en rouge. Comme s'il irait plus vite en plus. Un gros bouton dessus. Pour mettre les réacteurs à pleine vitesse. Il te dit, et du coup, les autres matelots, on les met avec nous ou on les attaque? Ils sont avec nous là. Attends, tu veux pas leur parler avant? Bah là, vous étiez un peu dans votre coin. Ah, en fait, le truc, c'est soit on leur en parle maintenant, il y en a qui sont trop attachés au capitaine qui vont balancer, soit on fait éclater la crâne du capitaine avant et ensuite on voit qui est solidaire ou pas. Non, moi je te propose, si on va les voir un par un, tous ensemble, s'ils sont avec nous, ok, s'ils sont pas avec nous, on les bute sur le champ. Et on les voit un par un, comme ça. Parce que si on peut le capitaine, ouais, ouais, ouais bah je suis avec vous. Puis après, dès qu'ils vont atterrir, on fait, ah bah non, c'était des traîtres. Donc du coup, ils sont plus avec nous. Et puis ils vont le dénoncer. Puis quelqu'un qui va aller nous chercher. Et ouais, oui, mais si tu les menaces, attends, on est quoi? On est quatre là? Les menaces, si on va les voir un par un, ils vont dire oui, 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 oui. Mais c'est pas grave. Bon, autrement, on les bute tous. Voilà. C'est comme tu veux. Tu veux un risque ou pas? Moi je te propose que la meilleure solution pour moi ce serait d'abord d'aller les voir un par un. Mais pas, faut que ça soit face à face, faut pas qu'on arrive tous les trucs tous ensemble en mode à deux, ça te paraît bien, c'est pas ouais, trop deux. Genre il y en a deux qui vont voir un des mecs et deux autres qui vont voir l'autre, les ouais autres. Ça me paraît bien. Ok, ça me va. Ok, c'est quoi les groupes? Je sais pas. Là, je propose un parleur, un tapeur, et un parleur, un tapeur. Moi aussi, je prends le commun. Bon bah, alors, dans ceux qui sont pas avec vous, il reste les deux ingés, et les deux qui sont habituellement vers la vigie, qui sont un peu on plus va loin. Voir les ingés, nous. Bah, c'est bien oui, que c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'ils restent leur chef hiérarchique, donc... Alors c'est non, pas tant hiérarchique, c'est plus sûr. Attachés. Mais... Voilà, c'est ça. C'est sûr. Plus. C'est sûr. Alors, vous arrivez vers les deux ingés qui sont en train de se reposer aussi. Qu'est-ce que vous dites? Déjà, est-ce que... Il n'y a pas de mutants parmi les deux, là? Non, il n'y a que toi. Ah, je suis le seul mutant de l'équipage. Très bien, donc je vais les voir. Un par un, on ne les voit pas. Alors, même un par un, d'accord. C'est toi qui vois, mais si tu vois, si jamais on doit buter un des deux, c'est plus simple d'être à 2 contre 1 que d'être en 2 contre 2. Ouais, mais je suis leur chef, ils me suivent. Rappelle-toi que notre capitaine, c'est notre chef, hein, là, actuellement. Oui, mais non, mais. Dirons-nous qu'hiérarchiquement, s'ils doivent suivre quelqu'un, ça sera plus le haut chef que le chef-chef. Non, mais je suis leur chef direct. Ouais, enfin. Alors, c'est bon, hein. Oh. Il y a le capitaine. Et le capitaine, justement, va s'en débarrasser. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, il n'y a plus de capitaine. Ah, c'est toi qui vois. Tu veux voir les deux en même temps ou un par un? C'est toi qui gère. Après, j'ai quand même besoin d'eux, donc faut que ça soit une décision qui soit prise en équipe aussi, quoi. Si soit ils suivent tous les deux, soit ils suivent pas. C'est vrai que s'il y en a un des... Si on va voir les deux un par un, l'autre après il fait « Il est où Stéphane ?» Voilà, donc... Ouais. Donc voilà, je vais les voir, et puis je leur dis « Ouais, écoutez les mecs, vous avez vu qu'on a abordé un vaisseau, bon, c'était pas joli, vous savez ce qu'il y avait dans les caisses de la cale ?» Absolument pas. Et les enfants. Des enfants? Des enfants, parfaitement. On avait des marchands d'esclaves. D'enfants esclaves en plus. Et on les a sauvés. Terrible. Alors nous, ouais. On a pour objectif de le vendre. Sauf que, de les vendre. Sauf que c'est pas tout à fait l'objectif du capitaine. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vaisseau. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose dans le vaisseau, nous, on s'en occupe. Maintenant. C'est ce capitaine-là, c'est un autre capitaine. Nous, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que lui, il est pas très sympa quand même.
on est d'accord qu'il est pas très sympa quand même. Ouais, mais vous savez, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre, mais la guerre, c'est sympa. Quoi ? Putain de merde ! Non, non, mais c'est dire, le fait qu'il y ait la guerre exclut pas le fait qu'il faut être sympa avec les soldats, voilà. Et vendre des enfants, c'est quand même pas très legit pour quelqu'un qui essaye de faire la guerre. Enfin voilà, on essaye d'amener la paix, on essaye pas de faire du marchandage d'enfants derrière, quoi. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de nous ? Est-ce que ça vous intéresserait, voilà, que, bah, on essaye de se débrouiller par nous-mêmes, quoi ? Sans le capitaine ? Sans le capitaine, on essaierait de trouver quelqu'un qui soit plus digne de ses responsabilités. Et on irait faire quoi ? Parce que nous, on est soldats, donc qu'est-ce que... C'est quoi, on irait se battre. On fera un grand conseil après avoir buté le capitaine des décisions. Alors, on va pas parler de gros mots déjà, on va pas dire unité, machin, tout. On dit qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Terminé. Voilà. Maintenant, vu la situation actuelle, je pense qu'il est difficile de continuer avec quelqu'un qui ne nous traite pas comme des humains, tout simplement. Ouais. C'est pas vraiment la vie que j'envisageais. Jamais dit mutant. Ok. Il dit, effectivement, si c'est des humains, c'est pas cool. Alors, ils sont plus ou moins convaincus par ton speech. Donc, on va faire un test de... J'ai si peu d'éloquence que ça. T'as combien d'éloquence? Combien t'as? C'est quoi, c'est présence, éloquence, j'ai 3. Donc tu peux rajouter un dé de plus parce que... Je suis là. Denis, c'est avec toi, ouais. Et puis, vas-y. Bon, c'est pas mal. Waouh, 3 succès. Et eux... 2 succès. Donc ils sont... Ils sont... bon, d'accord. Si vous avez besoin de notre aide, vous nous dites quoi faire pour vous aider et... Ok, on le fera. Dis-leur de réparer déjà les dégâts qu'on a pris à cause du pilotage. Ouais. Dans l'espace. Alors ça, il n'y a pas besoin que ça vienne de vous, hein, le capitaine le dira. Pour le lendemain. Est-ce bon, que bah t'as des choses à leur dire ? Non, c'est bon. Bah, je les remercie déjà. Et puis on leur dit de se tenir prêt au cas où. Okay. Et qu'en attendant, ils peuvent commencer déjà à réparer et à faire l'état des lieux du vaisseau. Terminer de se reposer parce que bon, on les interrompt dans la nuit. Ouais, bah c'est la petite pause. Un petit moment de flottement, on va dire. Ok pour vous. L'autre groupe. Donc on a dit que c'était. Génère qu'avec le canonnier. Eh, les enfants, vous aimez la mutinerie ? Non, donc tu vas voir séparément ou les deux ensemble, les deux qui restent ? Séparément. Séparément, ok. Donc tu vas dans la cabine du premier. Enfin, vous arrivez dans la cabine du premier. Il vous dit bonjour. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du capitaine, mon gros ? Bah, le capitaine, c'est un sacré connard, mais en même temps, c'est comme ça dans l'Empire. Ouais, ça te dirait, on change de capitaine. Ah, ouais, ça dépend, vous mettez qui ? On fera un vote, ça sera plus démocratique, non ? C'est bien. Un vote pour notre capitaine ? Ouais. Est-ce que on peut voter avec nos points ? En fait, il veut faire la loi du plus fort, genre celui qui est pas KO, il... Ah, point. Ah, j'avais compris, point P-O-I-N-T. Ah. Oui, non, point, point des mains. Écoute, tu sais quoi, on décidera tous ensemble. On décidera la manière de voter. D'accord, mais quand vous dites changer de capitaine, il est au courant, lui ? Ah, il le sera. Il est débile. Je vois ce que vous voulez dire. Disons qu'il le sera, mais... Bah, il le sera pour le restant de ses jours, mais ses jours seront un peu raccourcis. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et vous, on reste fidèle à l'Empire, ou qu'est-ce que vous faites ? En tant que nouveau capitaine. Alors, on n'a rien contre l'Empire, fondamentalement. Hey, moi j'ai pas parlé quand vous étiez là-bas. Parlez pas.
maintenant, on verra, soit on votera pour rester dans l'Empire, et on dira qu'il y a eu un accident, soit on verra pour faire du mercenariat. D'accord, donc en fait, on change de capitaine, et puis on vote après pour ce qu'on fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, donc, on a juste envie de se débarrasser du capitaine, et puis après on verra ce qu'on fait. Ok, donc lui, tu vois, il a rien contre, donc tu peux faire pareil, un test de... d'éloquence, avec un plus 1 aussi, puisque vous êtes deux. Deux et trois. Il dit bon, honnêtement, si j'ai rien à faire, ça me va. Ouais, écoute, très bien. On sera suffisamment nombreux. Ça marche. Merci gros. Allez, à ciao ciao. Et le dernier. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du capitaine? Connaissez-vous le nouveau capitaine? Il dit oui, bah c'est notre capitaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui nous dirige, on suit ses ordres et tout se passe bien. Il nous a sorti de sacré pétrin. Oh putain, ouais. Il lui suce la queue. T'as dit quoi? Il nous a foutu dans de belles merdes aussi. C'est vrai. C'est un capitaine, il est un peu sanguin, vous voyez. Faut ouais, pas trop le contrarier. Non. Un petit peu trop quand même, moi. Tu trouves pas? Un petit peu, mais où vous voulez en venir? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça de manière poétique? On aimerait... le buter. Ouais, laisse tomber, on va le buter. Donc là, il est un peu choqué, tu vois, il dit... Vous avez une bonne raison, puisque juste être un connard, si vous voulez, il y a des millions de connards à travers la galaxie. Ouais, mais faut pas l'être avec tout, en fait. Ouais, mais le truc, c'est... Alors, déjà, il nous traite pas mal comme des merdes, alors qu'on est son équipage, tu vois. Normalement, on est censé être proche. Même si c'est des soldats, tu vois. Ouais. C'est un peu vision, tu vois. Aussi, on a trouvé des trucs, des petits conteneurs dans le dernier bateau qu'on a accosté. Enfin, ah oui, j'ai entendu ça. Oui. Magnifiquement accosté, hein, si je puis dire moi-même. Alors, on a trouvé c'était vous les secousses, non? C'était vous, lui. Et c'est toi. c'est... Je voulais voir c'était si... C'était vous, lui. Et on a trouvé des gamins dans les conteneurs. Et tu sais ce qu'il a fait le capitaine? Il les a sauvés, j'imagine. Non. Non, en fait, il a décidé de les garder, mais pour les sauver. Plutôt pour l'inverse, tu vois. Je comprends pas. Il a sauvé des enfants pour les tuer? J'ai du mal à comprendre. Probablement pas pour sauver. Genre, prendre. Tu vois, genre trafic d'humains, esclavage, ce genre de bordel. Ouais, vous savez, il y a des endroits où c'est parfaitement légal. Ouais, mais c'est chaud quand même, non? Honnêtement, j'ai vu pire à la guerre, donc ouais. Mais putain de merde. Ouais, mais là, tu vois, c'est pas dans la guerre, c'est encore dans nos frontières. C'est vrai, vous avez raison. Et si on fait ça dans nos frontières, est-ce que franchement, ça vaut le coup de faire la guerre si au final, c'est aussi horrible que la guerre chez nous, quand il y a même pas la guerre. il met sa main sous le menton, tu vois, puis il réfléchit. Il fait, putain, c'est pas con ce que vous dites. Oh là. Ah, vas-y, fais ton test. Il commence à considérer ton offre. Je refais toujours avec un des plus. Ouais. Deux succès. Et lui deux aussi. Donc il dit, je suis pas hyper convaincu par votre truc, mais laissez-moi tranquille. Faites ce que vous voulez, mais laissez-moi en dehors de ça. Ok. Du coup, si jamais tu veux... Si jamais t'es pas complètement à fond, on pourra te déposer à la prochaine station, tout ça, à partir du moment où tu promets que tu racontes rien de ce qui s'est passé. Ok, genre, tu laisses tranquille, tu me laisses tranquille. Tu sens la fausse promesse là? Non, check. Allez, check. Dis, je jure sur mon honneur de soldat. Ok. C'est un bon pack ça. Donc je résume, vous en avez deux qui sont ok pour être avec vous et deux qui veulent rester en dehors du problème. Plus le canonnier qui est à fond avec vous. Ça veut dire que c'est... Il y en a zéro contre nous à part le capitaine. C'est bien. C'est ça. C'est un bon début.
Alors que fait je propose avant qu'on exécute tout ça, on coupe toutes les communications qui sortent du vaisseau. Comme oui, on éteint la radio. On la coupe. Ça peut être une bonne chose. Tu peux couper le courant pour ces communications. Et désactiver aussi les capsules. Ok. Ouais, je peux m'occuper de ça, je pense. Tu peux faire ça. Tu utilises tout ça avec tes ingés. Toutes les portes des capsules. Alors c'est ça, il y en a un qui fera chaque chose une personne. Je vais sauter le disjoncteur, c'est tout. Alors, si tu veux. attends, je trouve plus où est-ce que c'est. Alors ça dépend, ouais. Sauter le disjoncteur, ça coupe toute alimentation dans le vaisseau. Mais ça ne va pas couper les capsules. Non, mais on va dire que je redirige toute l'énergie des capsules, des communications vers d'autres endroits, histoire de couper, Alors de les couper l'énergie dans ces zones-là. Ouais. Alors pour les capsules, on peut faire ça. Pour les communications, ce sera plutôt un test de senseur. Ce sera autre chose. On ne pourra pas faire les deux en même temps. Mais on peut dire qu'il y a un de tes ingés qui fait l'autre. Il peut contrôler les portes, l'ingénieur, avec l'électricité, ça ? Non, c'est des portes à écoutilles. Ah merde. J'aurais bien voulu faire un petit piège. Après, toi, tu peux fermer une écoutille quand tu arrives quelque part. On l'enferme dans un sas si on coupe l'oxygène. Non, parce que c'est l'oxygène pour tout le vaisseau. Tu peux pas dire dans cette pièce-là, j'en ai pas. On a des combis. Ah, il y en a deux. Ouais. Non, on passe à la période. Donc on a un ingé qui s'occupe des communications, un qui s'occupe des capsules, ensuite. Détailler le plan et puis on fera tous les jets à la suite. Quel est votre plan ? À part couper l'énergie. On coupe juste l'énergie, c'est tout. On coupe l'énergie. On est en grève. Là, actuellement, il est où ? Il fait quoi, le capitaine ? Il est sur la passerelle de commandement, à côté du pilote. Il a les bras dans le dos et il regarde devant. Le pilote, on l'a convaincu ? On lui a parlé Le pilote, il fait partie de ceux qui veulent rester tranquilles. Ok, c'est bon. Enfin, sauf si c'est un de vous qui pilote, c'est vrai que j'ai pas posé la question. Ça peut être un de vous qui pilote, oui, y a pas de soucis. Bon. Est-ce qu'il y a. Il va bien dormir à des moments, le capitaine. D'accord. Ouais. Il va dormir longtemps. Oui, il va dormir, pas de soucis. Bon, on attendra qu'il aille dormir et puis. Quand il y a des rêves. Parce que j'ai pas trop envie de commencer un combat dans la zone où il y a tout ce qui permet de piloter. C'est bizarre ça. Parce que déjà de base j'y arrive pas très bien. Alors si en plus on m'explose ma console. J'ai peut-être un plan pour attirer le capitaine sinon. Qu'est-ce que tu vas faire ? On sort les gamins des conteneurs, on lui dit qu'il y a un problème dans la cargaison, et après get trapped. Mais non, mais en fait moi je voulais le tuer puis le lancer dans le conteneur, comme ça les enfants ils avaient mangé. Mais non! Le canonnier il est derrière et dit c'est super comme plan. Mais non! C'est contraint, voilà. Allez! Non! Non! J'adore ce canonnier, il est trop bien. Mais c'est au percute! Non. J'ai le droit de jouer deux personnages. De jouer quoi? Deux personnages, je joue au percute et lui. Non, par contre, tu pourras le recroiser peut-être plus tard en fonction de comment ça se finit. Oh putain, mais ça va devenir ton meilleur poteau. Quoi. Il s'appelle comment le canonnier dans l'histoire ? C'est vrai que je vous ai pas donné son nom. Le canonnier. Paul. Le canonnier, c'est Dorima. Dorian ? Dorima. Ok. Non, mais autrement, ce qu'on peut faire, c'est. On peut dire qu'il y a genre un gamin qui s'est échappé. Oui. Bah non, parce qu'il va juste lui dire bah allez-vous vous en occuper vous-même. C'est tout ce que je veux dire. Ah, moi je propose on attend qu'il aille se coucher.
puis après... T'as vu le film L'Immortel avec Jean Reno quand il se prend plein de munitions dans la gueule? Genre il se prend genre 60 balles, un truc comme ça. Putain. On fait ça, hein. Donc l'idée c'est que vous attendez qu'il dorme et tous ceux qui ont une arme se mettent au-dessus de lui pour l'allumer. C'est ouais. Ça? C'est ça. Et pendant ce temps, les ingés coupent les communications et autres. Au cas où, ouais. Ok. On sait jamais. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc Max, tu fais tous les jets pour les ingés du coup, vu que c'est plutôt de ton côté. Ouais, bah oui, du coup. Donc t'as un test de senseur pour brouiller les communications. Alors, senseur. Alors oui, par contre, je retire les dés supplémentaires cette fois. Oui. Senseur, hop. Il faut deux succès. C'est un petit brouillage. S'il envoie un SOS, ça pourra passer. Mais c'est un peu brouillé quand même. Ensuite, t'en as un. Test d'ingénierie pour enlever l'énergie des capsules. Pour le mettre, je sais pas, dans la propulsion ou ailleurs. Lui, il a bien compris son job. Hein. Aucun problème. Donc il n'y a plus une goutte d'énergie dans les capsules. Le capitaine Vaza, donc la journée se passe avant, hein, bien évidemment. Vous coupez ça au dernier moment. Le capitaine va pour se reposer. Et maintenant, vous allez tous les trois... Donc, les trois qui sont armés, si je dis pas de bêtises, nous avons le pilote, le fusilier et le canonnier. C'est ça. Okay. Donc, vous allez tous faire un test de discrétion. Oula. Et... Vas-y, commence. Perception. Deuxième. Ah non, attendez, j'avais un dé supplémentaire. Okay. Je t'ai encore pensé du coup. 1, ok, c'est mieux que 0. Un aussi. Et le pillard qui est avec. Ah oui, bah, tu lances pour lui. Ouais. Un aussi, donc vous avez tous un. Moi je vais lancer la vigilance pour le capitaine, sachant qu'il est endormi, il n'y a que les 6 qui vont compter. 4-6. Bon. Et ben heureusement pour vous qu'il n'y a que les 6, hein. Ouais. Donc, il va pas se réveiller, vous allez pouvoir tirer une fois. S'il n'est pas mort après vos 3 tirs, il se réveille. Enfin, il se réveille, il riposte. Je peux pas me mettre en automatique. Qu'est-ce que t'as comme arme, toi? Fusil laser. Un fusil laser? Bah, de toute façon, tu lui fais 2 dégâts graves, donc... Déjà, ça peut calmer un peu. sachant que... Donc, ça va être du... Toi, c'est de l'arme d'épaule. Il est allongé, immobile, devant toi, donc il y a que les 1 qui sont pas des succès. Et il te faut... J'ai envie d'être bourrin et de prendre 4 de Metal Fact. Non, 3. Eh bah tu peux. En arme d'épaule, tu peux prendre jusqu'à 7 Metal Factor hein, si tu veux. Ouais, non, mais déjà d'idée, ça devrait être pas mal. Et il te faut au moins un succès pour commencer à l'entamer un peu. Allez, 3 de Metal Factor, arme d'épaule. C'est parti. Alors... T'as lancé combien de dés? Ça ira plus vite. T'as 10. Fait t'as fait 10, donc il prend 9. Ah, non, attends, j'ai lancé 2 10 dés. Ouais. Tu fais... T'as fait un seul 1. T'as fait un seul 1. Ok. Donc il prend 2 dégâts graves, plus 8. Donc, vous pouvez dire adieu au capitaine, en fait. En fait, j'ai délicatement ouvert la mâchoire, posé le canon... Est-ce que pour le sport vous voulez tirer quand même, monsieur? Donc vas-y, c'est donc comme lui, t'as que les 1 qui comptent pas et il te faut au moins un succès pour le toucher. Voilà. Donc il reprend 6 6 dégâts de plus. Ouais, 5. 5, pardon. Ouais, mais 5 plus ton arme de base, elle faisait quoi?
Elle faisait 2 légers, donc il reprenait 6 dégâts légers. Ok. Donc, bah, adieu capitaine, qui est réduit en bouillie totale. Attends, le canonnier a pas encore tiré. Ah oui, tu veux faire tirer le canonnier, c'est vrai, pardon. Alors attends, lui il a quoi? Il a un fusil laser, bah comme toi. Et en arme d'épaule, il a 4 dés. Je vous laisse les lancer. Hein. Tu peux prendre du Metal Factor d'ailleurs si tu veux. Non. Tu le fais ou je le fais? Ah, vas-y. T'avais bien déterminé à lui tirer dessus, mais... 4 et 6. Ouais. Et pareil, il faut un que les 1 qui comptent pas. Donc il reprend encore 5 dégâts graves. Donc le capitaine est réduit en charpie, bien évidemment. Quelqu'un peut ramener la balayette? Vous êtes tous heureux. Et pendant ce temps, dans les machineries, il faut... Max, que tu fasses un test. Est-ce qu'on a entendu les autres? Qu'est-ce que je voulais faire? Un test de technologie, s'il te plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui a bougé. 1, 2, 3, 4. Tu vois qu'il y a un gros problème dans le système d'air du vaisseau. C'est une balle perdue. Non, 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 pas une balle perdue. Qu'il y a un conteneur qui était au milieu des... Enfin, pas un conteneur, un contenant, une petite boîte, qui était parmi les machines. Voilà, il y a un sacré bordel dans les machineries, donc c'est pas choquant. Qui vient de s'enclencher et qui est en train d'injecter quelque chose dans l'air. Oh mon dieu. J'ai tout prévu, l'enculé. Est-ce que vous voulez alors faire quelque chose? Alors, est-ce qu'on peut analyser la composition de ce gaz? Alors, fais un test d'analyse. Putain, il est malin, cet enculé. Est-ce que t'es déjà sûr que tu veux prendre le temps d'analyser au lieu d'essayer de couper les trucs? Ouais, coupe la ventilation. Attends, il analyse. Pire ton temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu vois que c'est un puissant agent qui soporifique, qui va vous mettre KO dans les 20 secondes qui suivent. Ok, les deux ingés, ils coupent immédiatement toutes les vannes et tout ce qu'ils peuvent trouver. Enfin, je sais pas, ils se démerdent. C'est leur boulot. Alors, test d'ingénierie, il te faut que des 6 puisque t'as pris le temps d'analyser avant. Et il t'en faudra 4 parce que le gaz se répand partout. Ouais, bon, bah c'est foutu, les gars. Oh putain. Il y en a même pas un seul. Donc, vous entendez. Comment il s'appelle? L'Europe? Noretine qui crie depuis les machineries « Cachez-vous! Cachez-vous! Bouchez-vous les yeux, les oreilles, le nez, tout. Fermez-vous! » Les yeux! Bouchez-vous les trous! Bouchez-vous les trous, et c'est ça. Attends, ça le répand où? Ça le répand dans l'entièreté du vaisseau. Dans tout le système d'oxygène du vaisseau. C'est pour ça que c'était très dur à arrêter, c'est que ça le répand partout. Et vous tombez les uns après les autres dans les pommes. Et c'est la fin du scénario d'aujourd'hui. Et vous avez désactivé les capsules. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? T'aurais pas eu le temps de la finir. En 20 secondes. Et puis en plus, tu vas sortir en capsule dans l'hyperespace. Bah après, c'est la capsule dans l'absolu, ça fonctionne. Parce que bah tu sors de l'hyperespace en fait. Ouais, mais justement... Tu sais pas trop où t'arrives, mais... Tu sors l'hyperespace, ah, soleil. Ah, c'est le risque, ça c'est sûr. Donc vous êtes tous KO dans un vaisseau qui file à pleine balle dans l'hyperespace, qui n'a plus ses capsules, qui a ses communications brouillées. Un bien tas de défauts de capitaine. Et ça va, c'est que soporifique. Ça aurait pu être bien. Ouais. C'est vrai. Je sais pas, ça aurait pu être de la joie orange ou des conneries comme ça. Non, en tout cas, simplement le capitaine, il est plus là pour en parler. Ok, il n'y a plus le capitaine, oui. Et forcément, la soute a aussi de l'oxygène. Donc les gamins aussi. Et voilà. Peut-être, qui sait, que vous retrouverez ce vaisseau un jour prochain, si vous traînez dans les parages. Je retrouve ce capitaine.
Quelqu'un s'est souvenu de la distance qu'on a parcourue? Yes. Alors, si personne sait, vu que c'est... c'est on était à mi-chemin, normalement. Ouais, on avait parti parcouru plus de la moitié. Alors, soit tu recalcules si tu veux, moi je l'ai, hein, le total. Soit tu me refais un test de navigation pour voir si tu, si tu sais où vous en étiez. Tente-le, hein. 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. Alors, vous avez parcouru, il vous restait 3200 parsecs à parcourir. 3200. Donc ça fait 3 cases, en gros. Donc par rapport au schéma que Max a fait, bah, vous êtes dans la case 4. Donc en alpha prime 14. Ok. Mais vos moteurs tournent toujours. On a deux vaisseaux retrouvés. Ainsi s'achève la carrière du capitaine Anora, qui était un sacré connard aimé de son équipage. Ouais, on va dire ça. C'est ce qu'on aura écrit sur son épitaphe.